Du coup, là, on va commencer par l'anatomie du petit bassin chez la femme. C'est une UE qui est assez dense, vous allez voir. Il y a quand même pas mal de cours. Je sais qu'on avait des cours, c'était anatomie du petit bassin, de l'appareil reproducteur. On avait histologie, organogenèse, tératogenèse, etc. Masso-kiné, du coup, c'est assez dense, mais enfin, quand on prend bien les bases du cours, etc., vous allez voir que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Il n'y avait pas de questions sur des schémas, c'était que sur le texte, entre guillemets, mais je vous conseille vraiment de bosser à fond les schémas de cette UE et de visualiser vraiment bien toutes les structures, etc. Ça aide vraiment pour répondre aux QCM. Du coup, voilà, là, on va avoir l'ostéologie du petit bassin. C'est le cours qui pose vraiment les bases. Il n'est vraiment pas compliqué quand vous visualisez pardon, bien les schémas. Alors, on va commencer par quelques rappels de base pour se mettre un peu dans le bain parce que je crois que vous n'avez pas eu de cours d'anatomie encore. Ensuite, on aura une partie sur le pelvis féminin, une sur le diaphragme pelvien et une dernière sur le périnée féminin. Moi, je vais aller jusqu'au tout début du diaphragme pelvien et après, ce sera Dalia qui va prendre le relais. Et entre deux, on va faire un petit peu de QCM. Vous allez voir que le cours, il est assez rapide. Et du coup, j'ai essayé de faire plein de QCM pour un peu balayer toute ma partie. Du coup, voilà. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Alors, quelques rappels de base. Je voulais revoir avec vous un peu les orientations et les coupes. Je pense que vous les connaissez. Donc, au niveau des orientations, sur le schéma de gauche, crânial, c'est vers le haut, caudal, vers le bas, antérieur, c'est ventral, c'est du ventre, donc c'est vers l'avant, postérieur, c'est vers l'arrière. Après aussi, revoir peut-être un petit peu proximal, c'est vers la racine du membre, alors que distal, c'est vers l'extérieur, vers les distal comme les doigts, donc vers les extrémités. Médial, c'est vers la partie, enfin, vers le centre du corps, alors que latéral, c'est vers l'extérieur. Voilà, ça, je pense que c'est pas trop compliqué. Et au niveau des coupes, revoir peut-être un peu ce que c'est la coupe frontale, sagittale, transverse. Donc la coupe frontale, vous allez voir qu'elle peut aussi s'appeler la coupe coronale. C'est la coupe qui va diviser le corps en une partie antérieure et postérieure. Donc, antérieure, c'est l'avant et postérieure vers l'arrière. La coupe sagittale, elle coupe donc le bonhomme là, en une partie gauche et droite. Et la coupe transverse, elle le coupe en une partie haute et basse. Du coup, voilà pour les petits rappels. Vous verrez que dans ce cours, c'est quasiment tout le temps la même coupe. C'est une coupe sagittale et on sera toujours quasiment sur les mêmes schémas. Du coup, voilà, mais c'était vraiment pour revoir un petit peu les bases. OK. Alors, on va commencer par voir un peu le pelvis féminin, de quoi il est composé, et l'ostéologie. Donc le pelvis, il est composé de deux os coxaux, c'est ce qu'on appelle les os du bassin plus communément. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui, c'est ce que vous avez ici, les os coxaux. Et ces os coxaux, ils sont reliés en avant entre eux par ce qu'on appelle la symphyse pubienne, c'est ce qui est ici, le petit truc qui est ici, c'est la symphyse pubienne. On va la revoir tout le temps sur les schémas. Et ils sont reliés en arrière. Par ce qu'on appelle le sacrum. Donc, le sacrum, c'est cette grosse partie ici qui est composée de cinq pièces sacrées, cinq vertèbres sacrées. Et en arrière, ils sont reliés au sacrum par ce qu'on appelle les articulations sacro-iliaques. Donc là, tout est dans le nom. Essayez de bien comprendre pourquoi on appelle ces structures comme ça. Bah, sacro parce que c'est entre le sacrum, iliaque parce que c'est l'aile iliaque. On verra après, mais l'aile iliaque, c'est ça. Donc, l'articulation sacro-iliaque. Voilà pour cette partie. Donc, deux os coxaux, symphyse pubienne et sacrum en arrière. Là, on va faire un zoom sur l'os coxal. Et je vous ai fait un petit schéma de mise en place. Vous allez voir que c'est important. Dans ce cours, les repères anatomiques sont très importants. Il y a des petites structures un peu repères à connaître. Alors, ça, c'est l'os coxal et on est en vue médiale. Donc, la vue médiale, c'est la vue sagittale, on coupe en une partie droite et gauche. Et là, vous avez, en fait, comme si on avait un hémi-bassin droit. OK. Et du coup, quand on coupe comme ça au niveau du bassin, on retrouve la cinquième vertèbre sacrée et en arrière,
le processus épineux de la cinquième vertèbre sacrée, pardon, lombaire de la L5. La L5, elle est cunéiforme. Ça, c'est un petit détail que le prof avait rajouté dans le cours. Donc, c'est L5 qui est cunéiforme. OK. Ensuite, on retrouve le sacrum avec les cinq vertèbres sacrées. En avant, les quatre trous où vont passer les nerfs sacraux. Il n'y en a que quatre, parce que les quatre ici, c'est S1, S2, S3, S4. Et le cinquième nerf sacro, le cinquième, il passe sous le sacrum. Donc ici, on n'a que quatre trous. Ensuite, en dessous du sacrum, le coccyx. Le foramen obturé, qui est large et triangulaire chez la femme, et étroit et ovale chez l'homme. Je vais y revenir. Et la symphyse pubienne, où sont reliés les deux occipitaux. En avant. Du coup, petit moyen mnémotechnique pour retenir, en fait, le foramen obturé chez la femme, il est triangulaire et large, et chez l'homme, il est étroit et ovale, je vous l'ai écrit à droite, et c'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Chez l'homme et la femme, il n'est pas pareil, c'est des petites diversités anatomiques qui existent entre l'homme et la femme. Et mon moyen mnémotechnique pour le retenir, c'était que la femme, elle doit accoucher, donc le foramen obturé, il est large. Pour la forme, je me visualisais le schéma, on voit que c'est un petit triangle. Et l'homme, il accouche pas, il n'y a pas besoin d'accoucher, donc le foramen obturé, il est étroit. En vrai, ça n'a rien à voir avec l'accouchement, mais je l'apprenais comme ça, ça me permettait un peu de faciliter un peu l'apprentissage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder si vous avez des questions. Ok, ça va. Allez, bon bah du coup, on continue. Alors, ok, super, je vois que vous répondez. Ok, donc là, on a posé les bases, vraiment les petits repères anatomiques importants. C'est pas très compliqué, apprenez-les bien, ça va toujours vous servir. Et là, on va voir vraiment le contour de l'os coxal, c'est une partie importante, vous allez voir. Du coup, ce que je vous conseille quand vous l'apprenez, ce cours, c'est de dessiner les schémas et de citer à voix haute ce que vous dessinez. Et c'est comme ça que vous allez l'apprendre. Et là, je vais le faire un peu comme ça. Vous allez voir, ce sera plus pratique. Du coup, quand on veut dessiner l'os coxal, moi, je pars d'ici et je dessine ce qu'on appelle l'aile iliaque. Donc, l'aile iliaque, c'est ça. C'est ce qu'il y a en haut. Et l'aile iliaque, elle remonte jusqu'à la L4. La L4 qui sera ici. Là, vous vous souvenez, on avait la L5, donc forcément, bah, au-dessus, c'est L4, L3, etc. Donc, l'aile iliaque qui remonte jusqu'à la L4. OK. Ensuite, on dessine ce qu'on appelle l'épine antéro-supérieure, que j'écris EIAS. Ici, c'est un petit, ça fait un genre de petit boudin, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'est une épine. Épine antéro-supérieure. Ensuite, on dessine un petit creux qui s'appelle l'épine antéro-inférieure. Donc, pour rappel, antéro, parce que c'est ventral, c'est vers l'avant. Supérieur, bah, parce que c'est celle qui est en haut, du côté crânial. Donc, antéro, supérieur. Ensuite, épine, antéro, parce qu'on est toujours en avant, mais inférieur. Et inférieur, puis elle rentre comme ça. Donc, l'inférieur, elle rentre comme ça. OK. Ensuite, vous vous souvenez, ici, on a le pubis, la symphyse pubienne qu'on avait avant. Et entre l'épine antéro-inférieure et le pubis, on a ce qu'on appelle l'éminence ilio-pectinée. Pectinée parce qu'en fait, on parle du pectène du pubis. Et ilio, bah, je le retenais parce que là, on a l'aile iliaque. Donc, c'est entre l'aile iliaque, entre guillemets, et le pectène du pubis. Donc, éminence ilio-pectinée. OK. Ensuite, ici, on a la symphyse pubienne et la tubérosité ischiatique qui est ici. La tubérosité ischiatique, globalement, c'est là où vous êtes assis, bah c'est ce que vous sentez, en fait, c'est ce sur quoi vous êtes assis actuellement. Donc, c'est ce qu'on appelle la tubérosité ischiatique. OK. Donc là, on a dessiné la première partie de l'os coxal. Et ensuite, moi, pour dessiner l'autre partie, je partais ici vers du sacrum et je dessinais ce gros truc qu'on appelle la grande incisure ischiatique. Grande incisure, bah elle est grande et profonde, et elle est en haut. Donc, c'est comme ça que je le retenais, c'était la grande incisure. Ensuite, on a la petite épine ischiatique. Hop, ça fait une petite épine, c'est pas compliqué à retenir. Puis,
La petite incision ischiatique. La petite, elle est, vous voyez qu'elle est moins creusée que la grande, puis elle est en bas, donc c'est la petite. Voilà, donc grande incisure, épine ischiatique, petite incisure, et on rejoint la tubérosité ischiatique. Voilà, globalement, ça c'est les contours importants à connaître, mais vous voyez qu'en fait, quand on dessine et qu'on se répète à force, on les connaît par cœur. Et puis, les mots parlent d'eux-mêmes, épine antéro-supérieure, ben, antéro c'est en avant, supérieur cerveau, etc. Du coup, vous voyez que ce n'est pas trop, trop compliqué. OK. Et en fait, cet os coxal, sur cet os coxal, on va pouvoir déterminer un grand bassin et un petit bassin. On va le revoir après avec les D3. Mais en fait, cette éminence, cette ligne arquée, pardon, elle va pouvoir délimiter le grand bassin et le petit bassin. Et le grand bassin, du coup, si vous voyez bien le schéma, de quoi il est constitué? Bah, il est constitué de la lilia qui remonte jusqu'en L4, de l'épine antéro-supérieure, de l'épine antéro-inférieure, et de l'éminence, pardon, oups, désolé, et de l'éminence iliopectinée. Donc ça, c'est le grand bassin. Et ensuite, tout ce qu'on a en dessous, c'est le petit bassin. Donc ça, c'était un petit truc à savoir par cœur, mais une fois que vous voyez le schéma, bah c'est bon. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais revenir sur le chat. Ok, je ne vous vois plus. Ok, ça va toujours? Si je vais trop vite, vous me dites. S'il y a des points à éclaircir ou que je repasse ou quoi, vous me dites. Oui, juste pour le pectiné. Vas-y, Alexia, je t'écoute. C'est où? Bah, c'est le pectène du pubis, en fait. Alors, attends. Est-ce que tu vois ça? Pardon, j'enlève le chat. Le pectène du pubis, c'est là, OK? Et là, en fait, là, tu vois de face. Et nous, dans notre schéma, on est en vue en coupe sagittale. Donc là, tu imagines que tu as ton petit bonhomme qui est de profil. Et ça, c'est l'avant. Je ne sais pas si tu comprends. Là, c'est la symphyse pubienne. En fait, c'est ça, mes deux profils. Pardon. Et en fait, là, on l'a coupé. Donc, c'est la symphyse pubienne. Le pectène du pubis, c'est bah, le pubis, la petite bosse que tu as, le pectène du pubis. Je ne sais pas si c'est très clair. Il y a celle de l'abdomen. De l'abdomen. Attends, Alexia, est-ce que c'est clair ou pas? Après, je te réponds. Merci, c'est avec la vue. OK, oui, là, on est de profil. Tu vois, j'ai mis du médial. Et bah, on a coupé le petit bonhomme, en fait, en deux. Et du coup, c'est la vue médiale. Je ne sais pas si c'est très clair. Et du coup, Mathéo, la ligne arquée, il y a celle de l'abdomen et celle de l'os coxal. Jamais entendu parler de celle de l'abdomen. Dans le cours, on voit que celle de l'os coxal, mais après, en masse, on n'avait pas énormément de cours, donc je ne sais pas. Mais nous, on a juste appris les lignes arquées de l'os coxal. Si jamais il y a un autre tuteur qui veut m'aider ou qui sait plus que moi, ben, je veux bien que vous m'aidiez. Mais Mathéo, moi, Moi, je je suis connais d'accord avec juste. toi. Moi, Mathéo, je connais juste la ligne arquée là. Tu vois, là, on est dans le bassin. On n'est même pas à l'abdomen, en fait. On est dans le bassin et c'est tout. Il y a la ligne arquée de l'os coxal. Peut-être il part de la ligne blanche avec les muscles. Je ne sais pas du tout. Mathéo, si tu veux prendre la parole, vas-y. Parce que je n'ai pas envie de t'embrouiller l'esprit. Vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour. Bah, du coup, non, mais c'est pour les repères, en fait. Vous avez parlé de L4, et moi, ça m'a Ouais. fait penser à la ligne arquée. Donc, du coup, en fait, Ah. enfin, de la ligne arquée de l'abdomen, en fait, tu sais, avec la gaine rectusienne. Bon, là, c'est un autre cours, mais Ouais. enfin, là, c'était en termes des repères. Donc, du coup, la ligne arquée, Non. elle est au même niveau que donc la crête iliaque, quoi, finalement. Alors attends, est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase? Je t'entends pas super bien. Enfin, j'ai dit, en fait, finalement, la ligne arquée de l'abdomen, elle est au même niveau que la crête iliaque, enfin, que la crête iliaque en L4, quoi. Alors, je ne saurais pas te répondre. Désolée.
Dalia, est-ce que C'est tu juste pour les refaire un après ça. Ouais, j'entends, mais pourquoi tu dis ligne arquée de l'abdomen? Ouais. Enfin, non, mais c'est juste par rapport en fait aux repères en fait. Tu vois, tu as parlé qu'il y avait des repères, par exemple L4, Ouais. ça, donc enfin moi ça m'a fait penser à l'abdomen. Enfin bon, là, c'est hors sujet, hein, mais. Non, je crois que c'est vraiment hors sujet. Oui, c'est hors sujet là. On est vraiment dans le bassin, pas dans l'abdomen. Du coup, te mélange pas trop. Là, visualise vraiment que le petit bassin. Là, tu es vraiment bas au niveau du tronc, hein. T'es pas au niveau de l'abdomen du tout. Voilà. Ah, attends, parce que je suis en train de regarder sur Internet, du coup. Ligne arquée, ça n'a rien à voir. En fait, la ligne arquée de l'abdomen, elle n'a rien à voir avec la ligne arquée, du petit bassin. C'est deux choses différentes. Essaye de bien distinguer les chapitres, mais ce n'est pas pareil, du coup. Est-ce que ça va? Voilà. J'espère que je ne t'ai pas embrouillé. Oui, c'est au niveau du repère L4. Ah oui, non, le L4, il est au-dessus. Et toi, ta ligne arquée, elle est en dessous. Elle est même en dessous de L5, tu vois. Genre, ta ligne arquée, elle est là, de l'os coxal. Après, ta ligne arquée de l'abdomen, elle est bien au-dessus. Voilà, ça va, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas. Ok, on peut continuer ou pas? Non, t'inquiète, c'est pas grave. T'as raison de m'interrompre, justement. Je veux pas que tu t'embrouilles parce que après, ça va être encore pire pour toi. Mais voilà, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Ok, on peut continuer? J'en étais là. Allez, on continue. Hop. Alors, du coup, là, on a vu l'os coxal, on a vu les petits repères, les contours. Et en fait, toute cette anatomie qu'on vient de voir, ça va nous permettre de délimiter ce qu'on appelle des détroits. Chez la femme, ces détroits, ils sont ultra importants pour l'accouchement. C'est des repères, en fait, pendant l'accouchement. C'est là qu'on va dire, bon, bah, là, on est avant l'accouchement, là, c'est l'engagement, etc. Là, c'est le dégagement. Vous allez voir. Alors, le premier détroit, donc il y en aura trois. Le premier détroit qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le détroit supérieur. Donc, le détroit supérieur, bah, on se sert encore de la ligne arquée, du coup, qui est ici. La ligne arquée, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, enfin, elle est représentée par la ligne terminale. Le détroit supérieur, il est délimité par la ligne terminale, ici. Et la ligne terminale, elle délimite le grand bassin en haut et le petit bassin en bas. Et c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. La ligne arquée, bah, le grand bassin, c'est tout ce qu'on avait ici. Et le petit bassin, c'est tout ce qu'on avait en bas. OK. Alors, les repères, en fait, les détroits, c'est ultra important de connaître leurs repères. Comme dans toutes les parties de secours, vous allez voir, il y a toujours des repères à apprendre. C'est la partie un petit peu chiante, mais il faut bien visualiser le schéma. Donc, le repère du détroit supérieur, il part de la partie antéro-supérieure du promontoire. Donc, le promontoire, c'est la première pièce sacrée. Vous allez souvent voir dans les QCM qu'on dit promontoire et pas S1. Donc, promontoire. Donc, antéro-supérieur. Supérieur, ce qu'on a la partie supérieure du promontoire. Et antéro, parce que bon, c'est pas ultra clair, c'est un peu pixelisé, mais on est à la partie antérieure ventrale. Donc, antéro-supérieur de la première pièce sacrée. Il suit la ligne arquée. Et il rejoint le bord supérieur de la symphyse pubienne. Donc, mnémotechnique, on est au détroit supérieur, donc il rejoint le bord supérieur de la symphyse pubienne. OK. Et bah, supérieur, vous allez voir, c'est le plus haut des détroits. Alors, pendant l'accouchement, le fœtus, il se trouve toujours au-dessus. Donc, pendant les 9 mois de grossesse, ou moins 6 ans prématuré, mais il est toujours au-dessus. Et quand on va accoucher, en fait, le fœtus, il va s'engager dans le détroit supérieur. Donc, il va s'engager dans le détroit supérieur et vous allez voir, après, on va mettre en place les deux autres détroits. Et en fait, le fœtus, il va suivre un segment comme ça, cylindrique, et c'est ce qu'on appelle un segment de tore. Mais ça, c'est un petit détail du cours, je voulais un peu épargner pour pas vous encombrer l'esprit. Ce qu'on appelle un segment de tore, c'est cylindrique. OK, l'accouchement, bah, le fœtus, il descend dans le détroit supérieur. La ligne terminale, elle est oblique en bas.
et en avant. Et avec l'horizontale, on a un angle de 60 degrés. Voilà. Pour les trois supérieurs, il n'y a rien d'autre à dire. Sachez bien d'où il part, où il passe et où il arrive. C'est juste ça qui est important pour les détroits. Ensuite, on va avoir deux détroits. Et pour voir le détroit moyen, on a besoin de mettre en place quelques petites structures ligamentaires qu'on va voir ici. Alors, vous voyez ici, on a rajouté des ligaments. Et le premier ligament qu'on rajoute, c'est ce qu'on appelle le ligament sacro-tubéral. Donc là, pareil, tout est dans le nom, parce que vous allez voir, il part du sacrum, vers le sacrum, et vers la tubérosité ischiatique. Donc, pareil, il faut savoir d'où il part, où il passe et où il arrive. Du coup, le sacro-tubéral, c'est le vert foncé, il part de la partie latérale du sacrum, bon, on ne voit pas très bien, mais de la partie latérale du sacrum, de la partie postérieure et inférieure de l'os coxal, et vous voyez ici la partie inférieure du coccyx. Ok, donc en gros, il a 1, 2, 3, 4 insertions. Donc ça, c'est à savoir par cœur, il n'y a pas trop de moyens mémotechniques, il faut un peu le visualiser toujours. Donc partie latérale du sacrum, postérieure, inférieure de l'os coxal et inférieure de du coccyx. Ok, ensuite, le sacro-tubéral, il descend jusqu'à la tubérosité ischiatique, voilà, donc sacro-tubéral, et il remonte un peu ici, dans ce qu'on appelle un contingent antérieur, parce que c'est ventral, c'est vers l'avant. Donc voilà, il descend et il remonte un petit peu au niveau de la tubérosité ischiatique. Ok, ça, c'est pour le sacro-tubéral. Et le deuxième ligament important à connaître, c'est ce qu'on appelle le sacro-épineux. Lui, il est super facile parce que, bah, pareil, tout est dans le nom. Il part du sacrum, il arrive sur l'épine ischiatique. Et en fait, il croise en deux dents le sacro-tubéral. Donc, le sacro-épineux, il part du sacrum. Désolée, c'est jaune, on ne voit pas très bien. Mais il part de S4, S5, un peu du coccyx. Et il finit sur l'épine ischiatique. Voilà, donc lui, il a deux insertions et il arrive à un endroit. Il passe comme ça et il croise en dedans le sacro-tubéral. Ok, est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, prenez la parole. Quoique je repars sur le chat. Ok, bon, bah, du coup, je continue. Ça, c'était les deux ligaments à connaître. Et du coup, on va passer au détroit moyen. Alors, le détroit moyen, facile, bah, il est sous le détroit supérieur. Et le détroit moyen, bah, il est moyen, il va passer au milieu de tout. C'est comme ça que je l'apprenais. Alors, le détroit moyen, il part de S4, S5. Il passe au bord supérieur du sacro-épineux, qu'on a vu là tout à l'heure, ce qui est en jaune ici. Donc voilà, en fait, il part un peu comme le sacro-épineux. Il passe par l'épine ischiatique. Il passe au milieu du foramen obturé, et vu que c'est le détroit moyen, il arrive à peu près au milieu de la symphyse pubienne, mais ce n'est pas exactement au milieu, et ça, c'est un peu à savoir par cœur. Il rejoint la symphyse pubienne aux deux tiers supérieurs, un tiers inférieur. Du coup, deux tiers supérieurs, c'est la grosse patate que vous avez là, et un tiers inférieur, c'est ce qu'il y a en dessous ici. Donc, le détroit moyen, c'est S4, S5, épine ischiatique, deux tiers supérieurs, un tiers inférieur de la symphyse pubienne. Voilà, et du coup, à bien retenir, il suit le bord supérieur du sacro-épineux. C'est pour ça qu'il part du même endroit que le sacro-épineux. Et le détroit moyen, on l'appelle le détroit d'engagement du fœtus. Voilà, détroit d'engagement du fœtus. Voilà. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, je vais quand même revenir sur le chat. Ok, ça va toujours. Est-ce que je vais trop vite ou pas assez? Ok, super. Merci. Ok, du coup, on continue. Dernier détroit à connaître. Détroit inférieur. Bah, facile, détroit inférieur. Bah, inférieur, c'est le dernier, c'est le plus bas. Alors, le détroit inférieur, il passe de l'apex du coccyx, facile, c'est l'inférieur, donc il passe vraiment en bas du coccyx. Voilà, il passe par le bord supérieur, mais cette fois-ci du sacro-tubéral, qui est en vert foncé ici. Et vu que c'est le détroit inférieur, bah, il va arriver à la partie inférieure
de la symphyse pubienne. Donc, apex du coccyx, bord supérieur du sacro-tubéral et partie inférieure de la symphyse pubienne. Et ce détroit inférieur, c'est ce qu'on appelle le détroit de dégagement du fœtus. Donc, tout à l'heure, le détroit moyen, on avait dit que c'était le détroit d'engagement du fœtus. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs que dès que le fœtus il passe par un détroit moyen, en fait, on va pouvoir coter en centimètres de combien de centimètres la femme elle est avant l'accouchement. Et le détroit inférieur, c'est vraiment le détroit de dégagement, donc tout est dans le mot. Le fœtus, il va sortir une fois qu'il sera ici. Voilà. Et du coup, le fœtus, je ne sais pas si vous voyez bien la souris, il va faire détroit supérieur, détroit moyen, détroit inférieur. Et du coup, vous voyez que ça fait un cylindre, en fait, un segment de torse. C'est ce que le prof appelait un segment de torse. Voilà. Si vous voulez, je vous fais un petit récap. C'est une partie vraiment à connaître bien par cœur. On se fait un petit récap de chaque détroit. Alors, du coup, détroit supérieur, c'est partie antéro-supérieure de S1. Il suit la ligne arquée et il arrive au bord supérieur de la symphyse pubienne. La ligne terminale, elle est oblique en bas et en avant, avec un angle de 60 degrés. Et le fœtus, il est au-dessus pendant la grossesse. En dessous, c'est pendant l'accouchement. OK. La ligne terminale, elle délimite le grand bassin et le petit bassin. Voilà. Après, on avait vu les ligaments. Le sacro-tubéral, c'est partie latérale du sacrum, partie postérieure, inférieure de l'os coxal, inférieure du coccyx. Elle descend, elle arrive à la tubérosité sciatique et elle remonte par un petit contingent antérieur parce qu'on arrive vers l'avant. Il est croisé en dedans par le sacro-épineux. Tout est dans le nom. Le sacro-épineux, il part du sacrum de S4, S5, du coccyx et il arrive sur l'épine ischiatique. Du coup, on pourra avoir avec ça le détroit moyen. Le détroit moyen, c'est de S4, S5. Il passe par l'épine ischiatique au milieu du foramen obturé et il rejoint la symphyse pubienne aux deux tiers supérieurs, un tiers inférieur. C'est le détroit d'engagement du fœtus. Là, on pourra coter en centimètres chez la femme. Et dernier détroit, le détroit inférieur, c'est le plus bas, il est inférieur. Il part de l'apex du coccyx. Il passe par le bord supérieur du sacro-tubéral et à la partie inférieure de la symphyse pubienne. Et c'est le détroit de dégagement. Voilà pour le petit récap. Est-ce que ça va toujours? Là, j'ai encore deux petites parties. Elles sont assez rapides à faire, puis on va passer au QCM. Du coup, si vous avez des questions sur les détroits, bah, n'hésitez pas. Après, on pourra revenir dessus à la fin si vraiment ce n'est pas clair. Mais bon, vous voyez là, enfin peut-être que là, vous n'allez pas retenir tout aujourd'hui, mais à force de revoir les schémas, ça va rentrer tout seul. Quoi. Vous allez voir le schéma et vous allez comprendre. OK. Bon, bah du coup, on continue. C'est l'avant-dernière partie, je crois. Je crois que c'était ça. Du coup, là, on a vu 3 détroits. Et donc chez la femme, on a des diamètres qui sont importants en obstétrique, en fait, pour voir si un accouchement, il va être à risque ou pas. Par exemple, une femme qui va avoir un petit détroit, un petit diamètre, ça va être compliqué de faire sortir le bébé. Du coup, ben, on va peut-être faire plus une césarienne, etc. Et c'est des diamètres qui sont importants à connaître et qu'il faut apprendre par cœur. J'avais pas trop de moyens mémotechniques à vous donner pour les diamètres. En fait, je les apprenais par cœur. J'apprenais tout par cœur. Du coup, on a 5 diamètres à retenir. J'en ai 5. Le premier diamètre, c'est le diamètre promonto-rétropubien. Donc là, pareil, c'est tout est dans le nom. Promonto, c'est le promontoire, donc la première pièce sacrée. Rétropubien, derrière le pubis. Donc promonto-rétropubien. Alors le schéma, il n'est pas très parlant, mais j'essaie de vous montrer. Donc promonto, la première pièce sacrée. Rétropubien, bah, derrière le pubis. Donc c'est ce que vous avez ici. Et ce diamètre, il permet de mesurer en fait, le détroit supérieur. Si vous voulez, je reviens en arrière. Promonto, rétropubien. Donc en fait, on comprend bien que ça permet de mesurer le détroit supérieur. OK. Ensuite, le deuxième diamètre à comprendre, pardon, et à comprendre aussi,
c'est le diamètre sacro-pubien inférieur. Sacro-pubien, donc sacro, il est entre S4 et S5, et pubien inférieur, au niveau du pubis, c'est le 2/3 supérieur et 1/3 inférieur du pubis. Et en fait, ce diamètre, c'est la plus grande distance antéro-postérieure du diamètre moyen. Et du coup, là, ça doit vous faire tilt quand vous voyez 2/3 supérieur, 1/3 inférieur du pubis. On parle du détroit moyen, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je reviens en arrière. Non, là, désolé. Ok, vous vous souvenez des 2/3 supérieur, 1/3 inférieur, c'était ce qui montrait un peu le détroit moyen, en fait. Voilà. Du coup, ça, c'était le diamètre sacro-pubien inférieur. Troisième diamètre, il est un peu facile, enfin, il est très facile à comprendre, c'est le diamètre bi-épineux. Donc, bi-épineux, bah, entre les deux épines ischiatiques, l'épine ischiatique droite et gauche. Pour rappel, l'épine ischiatique, c'est... l'épine ischiatique, c'est ce que vous avez ici, et c'est le diamètre entre l'épine ischiatique droite et gauche. Donc, c'est dans le plan transversal. OK. Ensuite, le diamètre pubo-coccygien, pareil, tout est dans le nom, c'est entre le pubis et le coccyx, et le pubo-coccygien, du coup, c'est pour le détroit inférieur. Si vous voyez bien encore où est le pubis, où est le coccyx, c'est logique, pubo-coccygien, c'est le détroit inférieur. OK. Et dernier diamètre, diamètre bitubéral, c'est entre les deux tubérosités ischiatiques, droite et gauche. Il fait un peu écho au bi-épineux, en fait. Les deux-là sont faciles à apprendre. C'est les trois autres qu'il faut retenir, mais il faut retenir qu'il y en a un pour le détroit supérieur, un pour le détroit moyen et un pour le détroit inférieur. Et vous allez voir, vous allez les apprendre comme ça, en fait, parce que bah, c'est très similaire au détroit, les diamètres. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais sur la discussion. Il me reste une petite partie à faire. Après, on fait les QCM et je laisse la main à Dalia. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Bon, vous ne répondez pas. Je pense que ça va. OK. Dernière partie. Moi, je vais juste introduire cette partie et après, on fera les QCM. Donc là, on va voir le diaphragme pelvien. Et du coup, on va mettre en place quelques petites structures. En fait, là, on a une coupe sagittale du pelvis féminin. Coupe sagittale, vous vous souvenez, ça couronne une partie droite et gauche. Et du coup, quand on coupe comme ça le pelvis féminin, on va avoir différentes structures. Donc là, on redessine la symphyse pubienne, elle est toujours là. Ensuite, en arrière, on a la vessie qui est ici et l'urètre ici. L'urètre, il est court, il est dirigé en bas et en avant. Vous voyez, en avant, c'est le côté ventral. On voit bien, là, si on dessine un petit segment, c'est en bas et en avant. Donc ça, c'est la vessie. Ensuite, en arrière, on remonte. Ici, on a l'utérus et le vagin. Ça, vous allez voir, quand vous avez un cours sur l'anatomie de la femme, du coup, vous allez revoir le vagin, etc. Ensuite, on a le rectum et le cap anal qui a un angle environ de 90 degrés. OK, du coup, en fait, ça va pouvoir constituer ce qu'on appelle des filières. On a trois grandes filières, ce qu'on appelle la filière antérieure, la filière moyenne et la filière postérieure. Et vous visualisez, enfin, vous avez vraiment bien visualisé sur le schéma. La filière antérieure, donc c'est celle du côté ventral, vers l'avant, c'est la vessie et l'urètre. Et du coup, c'est la filière urinaire. OK, donc vessie et urètre. L'urètre qui est court, orienté en bas et en avant. Ensuite, on passe derrière, on a la filière moyenne. La filière moyenne, c'est la filière génitale. On a l'utérus et le vagin. Je vous l'ai mis en bleu. Vous voyez bien. Donc, la filière moyenne. Et la filière postérieure, c'est la filière digestive. C'est le rectum et le cap anal qui a un angle de 90 degrés. Donc, filière antérieure, moyenne et postérieure. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi je vous montre ces trois filières? Parce qu'en fait, dans le pelvis féminin, on a le diaphragme pelvien, en fait,
on a un muscle très important qui s'appelle le muscle levator ani. Vous allez souvent voir le LA dans les diapos. Et le levator ani, du coup, c'est le muscle principal du diaphragme pelvien. C'est ce que vous avez en orange ici. Et levator ani, c'est releveur de l'anus. Mais en fait, ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est qu'il n'est pas releveur que de l'anus, mais il est releveur des trois filières que je vous ai montrées juste avant. Donc, la filière urinaire, génitale et digestive. Et du coup, le levator ani, il est ici. Et il a une fonction statique, permanente. On va le revoir juste après, de toute façon. Mais parce que, en fait, bah, le bipède, il est debout toute la journée. Et il y a une. Enfin, comment dire, la gravité qui joue un peu. Et du coup, il a besoin, en fait, de contrer cette gravité. Et la fonction dynamique de sangle, en fait, il est releveur des trois filières parce qu'en fait, il va pouvoir fermer, couper les trois filières ici. Donc, imaginez, si vous riez, vous toussez, bah, pour ne pas vous faire pipi dessus, bah, le levator ani, il va se contracter comme ça en avant. Et il va couper les trois filières. Et du coup, bah, ça va couper la filière urinaire. Vous n'allez pas vous faire pipi dessus, etc. Voilà. De toute façon, vous allez le revoir, je crois, dans la partie juste après, le muscle levator ani. Donc, il y a deux fonctions, statique permanente et dynamique. C'est une sangle. Voilà. C'est fini. Je vais sur le chat voir si vous avez des questions et après, on passe au QCM. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, si vous voulez enfin, écrire dans le chat ou parler avec votre micro, n'hésitez pas. Un D3, c'est quoi exactement ? Bah, un D3, comment t'expliquer ? Pardon, je reviens en arrière. Chez la femme, c'est ce que je... Ouais, c'est ça, c'est un espace, en fait. Chez la femme, il y a des D3 à connaître parce que pour l'accouchement... Est-ce que tu peux remontrer les trois premiers D3 ? Ouais, je vais se remontrer. En même temps, j'en profite, je vais répondre à la question. Bah, un D3, c'est un espace, c'est un repère en fait, chez la femme. Vous avez trois D3 à connaître qui vont dire bah, là, on est avant l'accouchement. Là, ah, bah, il a franchi ce D3, bon, bah, c'est l'accouchement. Et il a franchi le dernier D3, bah, c'est le dégagement. Du coup, je remonte les trois D3. Pardon. Ok, alors, désolé, ça bug un peu. Donc là, c'est les trois D3. D3 supérieur. Il part d'ici, promontoire, il suit la ligne arquée, il arrive au bord supérieur de la sphincter pubienne. D3 moyen, bah, il est moyen, il passe au milieu de tout. Il part de S4, S5 et du coup, il suit le bord supérieur du sacro-épineux. Il passe par l'épine sciatique, au milieu du foramen obturé et la sphincter pubienne aux deux tiers supérieurs et tiers inférieurs. Et D3 inférieur, c'est dégagement. Donc là, c'était engagement. Et D3 inférieur, dégagement. Coccyx, il suit le bord supérieur du sacro-tubéral et bord inférieur du pubis. Voilà pour les trois D3. Alors, un D3, c'est comme une tire. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je regarde. Oups. Alors, comme des étages. Ouais, ça, en fait, moi, je voyais ça. Bah, c'est ça, en fait, je voyais ça un peu comme un étage. Le fœtus, il est en haut, puis il descend au fur et à mesure. Quoi. On ne peut pas parler de D3 pour l'homme. Bah, là, en fait, on est dans l'anatomie chez la femme. On parle des D3. Après, pour l'homme, je ne pense pas. Enfin, je ne vois pas trop d'utilité à parler des D3 chez l'homme. Parce que du coup, après, on aura quasiment les mêmes repères, quoi, mais. Mais je ne sais pas trop si chez l'homme, on parle de D3 ou pas. Les diamètres sont importants pourquoi ? Que pour les femmes et l'accouchement, on vient d'avoir... Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, les D3, ils sont... enfin, les diamètres, c'est important parce que du coup, c'est ce que je disais. Pendant l'accouchement, bah, y a certaines femmes qui vont pouvoir être à risque. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être qu'une femme, elle aura un bassin trop étroit. Un diamètre qui sera trop petit, qui fait que ce serait dangereux d'accoucher par voie basse ou autre. Et du coup, ces diamètres, ils sont importants à connaître et importants à mesurer par le gynécologue pour savoir si l'accouchement, il va bien se passer. Le muscle levator ici. Oui, c'est ça, Mathéo.
plus. Ouais, de toute façon, ça, vous allez le revoir, le lévatorami, dans la partie juste après. Est-ce que le cours est beaucoup plus détaillé ou bien que ces infos? Le cours, il n'est pas très détaillé. Non, il n'y a pas beaucoup de détails en fait, dans ce cours parce que c'est vraiment les bases. Il faut vraiment connaître les petits repères que je vous ai montrés. Et c'est tout. Il n'y avait pas plus de détails que ça. Peut-être dans la partie d'après, elle est beaucoup plus... un peu plus dense, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué une fois que vous voyez bien les schémas. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? De toute façon, là, on va passer au QCM. Du coup, si ça va ou pas. Ok. Est-ce que vous savez utiliser WooClap ou pas? Je vous mets un... En fait, je vous ai fait sur WooClap parce que je me suis dit peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne vont pas oser... répondre au QCM dans le chat, et du coup, j'ai fait un WooClap. Voilà, si vous voulez aller sur le WooClap, allez-y. J'avais jamais bien aussi compris les D3. Ah, bah super, je suis contente, alors ça t'a aidé. Non, en fait, tu vois, c'est pas compliqué, parce que à partir du moment où tu vois bien le schéma, c'est ultra logique. Même les diamètres et tout, c'est super logique une fois que tu les as compris. Ok, du coup, je vous mets le QR code là. Je vous envoie le lien si jamais pour le WooClap, vous n'arrivez pas à avoir le QR code. Je pense que ça va aller. Je n'ai pas oublié. Voilà, là, j'ai fait, je crois que j'avais fait 5 petites questions de QCM qui récapitulent un peu tout. Et après, c'est bon pour moi. Oups. Alors, je ne sais pas combien on est sur la réunion. On est 33. J'attends un peu que vous veniez tous. Si vous avez du mal, bah dites-le moi, parce qu'après, dans tous les cas, j'ai laissé les QCM sur le diapo pour que vous puissiez vous réentraîner chez vous. Au pire, vous avez le diapo si vous galérez avec vos clubs. Ok. J'attends encore 2 petites minutes que tout le monde se connecte et puis on le lance. Le QR code, ma mère ne verra pas, je l'accueille. Ah bah attends, je t'envoie le lien sinon. Attends. Sinon, tu vas sur WooClap. Ah bah attends, il est là. Oups. J'ai pas reçu le lien. Attends, je vous le mets là dans le chat. Ah, c'est bon, ça monte. Ça bug. Ah. Ça fait quoi quand tu vas sur le lien, Mathéo? Sinon, après, je partage mon écran. Répondez de votre côté. Si vous voulez avoir les réponses, bah, vous notez sur une petite. Ça m'a mis question. Ah oui, c'est parce que c'est moi. Je suis partie et je suis revenue sur le QR code. Mais attends, bah là, si je mets la question, vous allez pouvoir répondre direct. Mais... Bon, bah, je pense que c'est bon, on est assez. Alors, est-ce que là, vous voyez, enfin, c'est bon ou pas pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à voir la question? Ok. Bon, bah, je vous laisse répondre. Et voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ne faites pas de capture d'écran ou quoi, parce que, enfin, vous pouvez, là, si vous voulez. Mais j'ai tout remis dans le diapo que vous aurez à disposition. Ok. Bah allez, je vous laisse répondre. Alors, première question. Voilà, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Allez-y, répondez. Hein. Voilà, répondez vraiment ce que vous pensez, faites pas par rapport à la tendance. Genre, si vous voyez que tout le monde répond une réponse, mais pour vous, elle n'est pas logique, ne la mettez pas, quoi. Faites-le pour de vrai. Pour vous entraîner, si vous vous trompez maintenant, c'est pas grave.
Allez-y, on a encore une dizaine qui doivent répondre. Je mets la correction. Allez-y, on a encore 10. Je vous laisse répondre encore dans une minute, puis je mets la correction. OK. Bon, allez, je mets la correction. De toute façon, vous l'aurez sur le diapo. Du coup... Alors, vous avez répondu, pardon, en majorité, c'était bon. Alors, le foramen obturé est large et triangulaire chez la femme et étroit et ovale chez l'homme, c'est vrai. Et le grand bassin est composé, entre autres, de la liliaque, l'épine antéro-supérieure, antéro-inférieure et l'éminence pectinée. C'est bon. Alors, les corrections. Hop. Alors, la première proposition, les deux os coxons se relient en arrière au sacrum par les articulations sacro-coccygènes. Ça, c'est faux. Les deux os coxaux, c'est en arrière par les sacro-iliaques. Sacro-coccygènes, c'est entre le sacrum et le coccyx. Mais là, on parle entre les os coxaux et le sacrum, donc c'est sacro-iliaque. La deuxième réponse, c'est bon, c'est à savoir par cœur. Un petit moyen mnémotechnique. La quatrième vertèbre lombaire est cunéiforme. C'est faux. C'est la cinquième vertèbre lombaire qui est cunéiforme. C'est un petit piège. De vertèbres. Du coup, c'est la cinquième qui est cunéiforme. La forme du foramen obturé concerne directement l'accouchement. Non, c'est faux. En fait, moi, je l'apprenais comme ça, mais je ne l'apprenais pas pour de vrai. C'était juste pour moi retenir. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est le dimorphisme sexuel. C'est juste chez l'homme, c'est comme ça. Chez la femme, c'est comme ça. Mais ça n'a pas trop de rapport avec l'accouchement, le foramen obturé. Du coup, je ne l'apprenais pas comme ça, mais je l'apprenais comme ça pour la forme du foramen obturé, en fait. Et le grand bassin est composé de la liliaque, épine antéro-supérieure, antéro-inférieure et l'inciliopectinée, c'était bon. Voilà, bravo. Pour la une, c'est possible de visualiser avec le schéma. Oui, attends. Alors, nous, on voulait... Alors, l'articulation sacro-coccygène, c'est entre le sacrum qui est là et le coccyx qui est là. Du coup... C'est rikiki, hein, mais c'est ce qu'il y a entre les deux ici, les sacro-coccygènes. Alors que sacro-iliaque, c'est entre le sacrum et la liliaque. Du coup, c'est sacro-iliaque. La liliaque, tu te souviens, on l'avait vu sur le schéma ici. Non, sur le schéma-là, la liliaque. Et du coup, c'est sacro-iliaque. Et sacro-coccygène entre le sacrum et le coccyx. OK ? Super. Du coup, voilà, question 2. Je vous laisse répondre. Parmi les propositions suivantes, concernant les détroits supérieurs, laquelle ou lesquelles sont vraies? On ne voit pas en entier, mais c'est est vrai. Attendez. OK, est-ce que tout le monde arrive à répondre à la deuxième ou c'est bloqué? Je vois, il n'y a qu'une personne qui a répondu. OK. Bah, allez-y. Hop, du coup, ouais, vous ne voyez pas en entier, mais c'est laquelle et lesquelles sont exactes. Pourquoi on ne voit pas tout? Ah, voilà. Si vous ne voyez pas, il faut faire à droite, titre en plein écran, au moins vous voyez tout le chapeau. Allez-y, je vous laisse jusqu'à
On va dire 55 pour répondre si tout le monde n'a pas répondu avant. On passe dans le cours, c'est les deux coccyx. Ouais, nous dans notre cours, voilà, attends, je l'ai à côté de moi si tu veux. Mais ouais, c'est ça, tu vois, des fois, il y a des années où il nous dit un truc et une autre année où on va dire autre chose. Et attends, je regarde exactement ce qu'il nous avait mis dans le cours. Nous, il nous a juste dit, en arrière, les deux coccyx seront reliés au sacrum par les articulations sacro-iliaques. Tu vois, il nous a juste donné ça, en fait. Du coup, bah, j'ai appris que ça. Est-ce que la ligne arquée et la ligne terminale sont la même chose? En fait, la ligne arquée... attends, je te remontre. En gros, oui. La ligne arquée, c'est vraiment ce que tu as... comment t'expliquer? La ligne arquée, c'est ce que tu vois vraiment sur l'os coxal. Et la ligne terminale, en fait, elle est définie par la ligne arquée. Tu vois, c'est pas une vraie structure en soi, la ligne terminale, mais c'est pareil, quasiment pareil que la ligne arquée. C'est pas très clair, mais en gros, la ligne arquée, c'est la structure anatomique. La ligne terminale, moi, je voyais ça comme un repère. Donc, en gros, tu peux dire que ligne arquée égale ligne terminale. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais du coup, cette année, il n'y avait que symphyse pubienne en avant et articulation sacro-iliaque en arrière. Mais après, peut-être que c'est pas dit que l'année prochaine, ils vous rajoutent d'autres choses. Aussi, pour les passes, il y avait beaucoup plus pour chaque des trois. Oui, nous, on a en LAS, si vous avez fait passes, ça va vous changer la vie parce que bah, on a moins de choses que les passes. Et nous, on n'avait que cela à apprendre. Les diamètres, oui, les diamètres, on n'avait que 5. Ouais. Oui, non, mais franchement, si vous venez de passe, vous allez voir que c'est allégé. Hein. Mais apprenez bien ce que le prof va vous dire en LAS. Et vous fiez pas à vos anciens polytes de passe parce que, en fait, ça change. C'est bizarre, hein, mais il dit pas la même chose. Il faut apprendre bêtement. Ok. Alors, je reviens au QCM. Ouais, voilà, c'est beaucoup moins détaillé. Ok, bon, je mets la correction du coup. Il n'y a pas tout le monde qui a répondu, mais c'est pas grave. Alors, du coup, alors, pendant la grossesse, le fœtus se situe au-dessus du détroit supérieur, c'est vrai. La ligne terminale est oblique en bas, en avant, c'est vrai. Et la ligne terminale définit le détroit supérieur, part de la partie antéro-supérieure du promontoire. Elle suit la ligne arquée, elle rejoint la partie supérieure de la symphyse, c'est vrai. Alors, je vous mets la correction des faux. Je vois plus ma. Attendez, je vois plus les questions. Alors, la question B, la ligne terminale sépare le grand bassin en bas du petit bassin en haut. C'est faux. Faites attention au piège dans les parenthèses. En fait, c'est le grand bassin en haut et le petit bassin en bas. Du coup, c'est bête, hein, mais prenez le temps de bien lire, même les petits détails entre parenthèses, etc. C'est grand bassin en haut et petit bassin en bas. La ligne terminale, oui, ça c'était bon. Y a un angle de 60 degrés pour la ligne terminale. Le détroit moyen et le détroit d'engagement du fœtus, c'est faux. En fait, en soi, c'est vrai, mais n'oubliez pas que là, on parlait du détroit supérieur et pas du détroit moyen. Donc, lisez bien le chapeau. La question, elle concernait le détroit supérieur. Donc en soi, l'item, il ne faut pas le cocher. Même si c'est vrai, il ne faut pas le cocher. Et la dernière réponse, c'était vrai. Oh, le piège. Oui. Oui, faut faire... Prenez le temps parce qu'on a tellement l'habitude de voir... De voir laquelle ou lesquelles sont exactes, mais en gros, faites attention. Oui, font ce genre de piège, de chapeau. Ils vont vous parler du détroit, ils vont vous demander que le détroit supérieur, ils vont vous mettre un QCM sur le détroit moyen et vous allez le cocher, c'est faux en fait. C'est des pièges de chapeau. Le fœtus n'est pas dans le détroit supérieur. Au-dessus? Oui. Ah oui, j'ai mis ça, j'ai mis le fœtus, se situe au-dessus du détroit supérieur pendant la grossesse, Mathilde. En fait, il est au-dessus. Je te remonte le diapo. C'était là. Non. C'était
pendant l'accouchement, il est au-dessus. Et quand on accouche, il s'engage. En fait, il est au-dessus du détroit supérieur qui est ici, enfin, qui est délimité par cette ligne orange. Il est au-dessus et il s'engage dans le détroit supérieur. Enfin, il s'engage. Tu vois, il s'engage là sur la petite ligne orange et là, c'est l'accouchement. Est-ce que ça va ? C'était Mathilde. Bon. Si ça ne va pas, n'hésitez pas. Ok. Alors, QCM. Allez, on va faire un peu plus vite pour pas que vous finissiez trop tard. Je vous mets la troisième question. Oui, c'est ça, désolée. Des fois, je parle. Enfin, je suis un peu défaite quand je parle. Mais voilà. Ok, allez-y. Oh, oups. Voilà, parmi les propositions, laquelle ou lesquelles sont fausses. Vas-y, je vous laisse 2 minutes pour pas qu'on aille, qu'on perde trop de temps. On le dit à 11h01, je mets la correction. Ok. Bon, allez, on passe à la correction. Alors, là, c'était parmi les propositions suivantes, lesquelles sont fausses. Je vous mets la correction du diapo, au moins on voit bien les réponses. Alors, le ligament sacro-tubéral s'insère uniquement sur la face latérale du sacrum et se termine sur la tuberose ischiatique. Bah, ça, c'est faux. Donc, il fallait bien le cocher parce que nous, on demandait les réponses fausses. C'est faux. Vous vous souvenez, il y a 4 petites insertions. La partie latérale du sacrum, postérieure, inférieure de l'os coxal et inférieure du coccyx. Mais il se termine bien sur la tuberosité sciatique et remonte vers un contingent antérieur. Je vous invite à revoir les schémas quand vous faites des QCM. C'était faux, donc il fallait bien le cocher. Ensuite, le ligament sacro-épineux est croisé en dedans par le sacro-tubéral. Fallait bien cocher, c'est faux. C'est le sacro-tubéral qui est croisé en dedans par le sacro-épineux. Ça, je l'apprenais un peu par cœur. Je ne sais pas pourquoi j'avais du mal à le visualiser, mais je l'ai appris par cœur. Vous voyez bien le schéma des deux ligaments. Le ligament sacro-épineux s'étend de S4-S5, du coccyx et finit sur l'épine sciatique. Bah, c'est vrai, du coup, il ne faut pas le cocher. Voilà. Le détroit moyen et le détroit de dégagement du fœtus, c'est faux, donc on le coche. En fait, le détroit moyen, c'est le détroit d'engagement, et le détroit inférieur, c'est le détroit de dégagement. Et le détroit moyen passe par l'épine ischiatique, c'est vrai, donc on ne le coche pas. Voilà. Je crois que j'ai 2 derniers QC, mais c'est fini, je ne sais plus. Voilà. Allez-y, je vous laisse répondre. Voilà, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ou laquelle ? Allez, je vous laisse jusqu'à
5. Les trois moyens, c'est pas les trois de dégagement. Non, dégagement, c'est inférieur. Je te remets la diapo. Alors, des trois moyens, c'est engagement. Si tu te rappelles, engagement, et c'est là où on va coter en centimètres. On va pouvoir toucher la tête du fœtus, du bébé, du coup. C'est engagement. Et le détroit inférieur, dégagement. En fait, c'est facile, tu te dis le. Bah, enfin, je ne sais pas, moi je l'apprenais comme ça, mais c'est le dernier des trois, le bébé va sortir, donc il va dégager, quoi. C'est des trois de dégagement. Alors que le moyen, c'est engagement. Voilà, moi je retenais juste inférieur et dégagement. Voilà. Ok, allez-y, je vous laisse encore une minute. Ok, bah allez, je passe à la correction. Je laisse le dernier. Allez. Dans un QCM bord, oui. C'est vrai que moi, j'utilisais les deux termes. Le bord, oui, c'est pareil. Je pense pas, franchement, je ne pense pas qu'ils vont vous piéger sur des mots comme ça. C'est pareil. Voilà, t'inquiète. Ok. J'ai mis faux. Ah, non, désolé. C'est vrai que j'aurais dû remettre les mêmes termes. Bah, vas-y, mais vrai, c'est pas grave. Je crois que tu peux encore changer en plus. Mais c'est pareil, franchement, si je joue sur les petits mots comme ça, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pareil. Après, le prof, il va essayer de mettre pas, enfin, les mêmes mots en général. Allez, je passe à la correction. Alors, ok. C'était question 4. Le détroit moyen est défini entre autres par le bord supérieur du ligament épineux, c'est vrai. Si vous vous rappelez bien du schéma avec les deux petits ligaments. Le détroit moyen rejoint la symphyse pubienne à ses un tiers supérieur, deux tiers inférieur, c'est faux. Ça, faut le connaître par cœur. C'est deux tiers supérieur, un tiers inférieur. Et si vous voulez le retenir, visualisez le schéma. Je vous remets. Vous voyez que c'est deux tiers supérieur, c'est la grosse patate en haut. Deux tiers supérieur, c'est le plus gros en fait. Et un tiers inférieur, c'est le petit truc ici. Voilà, c'est à prendre par cœur. Détroit inférieur est défini par l'apex du coccyx, la partie supérieure du désolé, du ligament sacro-tubéral, c'est vrai. Le détroit inférieur, c'est le détroit de dégagement du fœtus, c'est ce que j'ai rappelé du coup juste avant. Le moyen, c'est engagement et l'inférieur, c'est dégagement. Et l'épine ischiatique sépare la grande incisure en haut de la petite incisure en bas, c'est vrai. Je reviens sur le schéma comme on n'a pas passé trop de temps dessus. C'est la grande incisure ici et la petite en bas. Voilà. Voilà, je vous mets le dernier QCM. On va aller vite parce qu'après, vous avez encore une partie. Voilà. Allez-y. Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? Allez, je vous laisse jusqu'à. Bon, bah, du coup, jusqu'à 9.
Allez, je mets la correction du coup. Vas-y, je vais te répondre vite fait. Allez, on met la correction. Hop, du coup, il n'y avait qu'une seule proposition vraie. Pareil, ils disaient bien le chapeau. Ça peut arriver qu'en fait, il va juste mettre laquelle est vraie. Et ça fait un gain de temps parce que du coup, vous savez que vous ne pouvez en trouver qu'une seule. Donc, vous embêtez. Si vous la trouvez directement, vous êtes sûr de vous, vous savez que les autres, elles sont fausses. Du coup, correction. Alors, le diamètre promontor rétro-pubien permet de mesurer le détroit moyen. Non, c'est le détroit supérieur. Si vous vous rappelez, promontor, c'est la première pièce sacrée. Et rétro-pubien, c'est l'arrière du pubis. Et vu que c'était la première pièce sacrée, c'est de là que partait le détroit supérieur. Du coup, c'est pour le détroit supérieur. Le diamètre sacro-pubien inférieur est la plus grande distance antéro-pubien-postérieure du détroit inférieur. Non, c'était la plus grande distance, mais du détroit moyen. Attendez. Non, je crois que je me suis trompée. Non, c'est ça. Attendez, je vérifie. Sacro-pubien inférieur. Diamètre sacro-pubien inférieur. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour le détroit moyen. Et pour le retenir, vous imaginez qu'il part de S4, S5 et il rejoint deux tiers supérieurs, un tiers inférieur du pubis. Comme les repères qu'on a vus pour le détroit moyen. OK. Ensuite, la filière antérieure, c'est la filière génitale. Non, c'est la filière urinaire, la filière antérieure. La moyenne, c'est génitale. Postérieure, c'est digestive. Le muscle élévateur ani, c'est releveur des trois filières. Ça, c'est vrai. Du coup, c'est la seule réponse vraie. Et ne pas penser que c'est que le releveur de l'anus. Du coup, c'est bien des trois filières. Et l'urètre est court, orienté en bas et en arrière. Non, c'est orienté en bas et en avant, parce que c'est ventral. Du coup, c'est en bas, oui, mais en avant. Du coup, voilà pour les QCM. J'ai fini pour ma partie. Je vais laisser Daya prendre la main. Si vous avez des questions, moi, je suis encore là jusqu'à midi. Du coup, pour ne pas retarder Daya, si vous voulez, notez vos questions. Et on répondra à la fin, même si vous avez des questions sur la LAS, etc. Si vous avez un peu de temps à midi, on pourra y répondre. Voilà, bon courage, à tout à l'heure. Alors, salut tout le monde, moi c'est Dalia. Vous verrez qu'elle a marqué Besma sur le Zoom, mais c'est parce que c'est pas mon ordi, mais voilà. Donc, je vais vous faire la suite du cours. Ce sera sur le diaphragme pelvien et tout le périnée. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Je sais pas. Oui, on t'entend bien. Ouais. Ça va. Ça va. Normalement, vous voyez mon écran là. Ouais, on le voit, c'est bon. Voilà. Alors, je vais enchaîner directement avec. Sauf si vous voulez faire une petite pause, mais bon, je me dis que si j'enchaîne, vous finirez plus tôt. Ce ne sera pas très long normalement. Donc là, on va commencer avec le diaphragme pelvien et on va voir donc, toutes les structures musculaires. Donc, comme Ruth vous l'avait dit, le diaphragme pelvien, c'est comme une membrane, c'est un peu comme le diaphragme qu'on a au niveau du thorax. Et ici, on va voir un des muscles principaux de ce diaphragme qui est le levator ani. Il y a d'autres muscles, mais cette année, enfin là, en tout cas, ils sont pas repris, enfin on ne les explique pas, donc on est vraiment focus sur le levator ani. Donc le levator ani, il va avoir, c'est un muscle qui lui-même va avoir deux muscles, donc le muscle pubococcygien et le muscle iliococcygien. Donc le pubococcygien, vous le voyez ici, donc il part du pubis jusqu'au coccyx, donc c'est très facile à se rappeler. Et l'iliococcygien, ça va être celui-là, donc cette espèce de membrane en fait qui va tout maintenir. On vous a aussi dit que le diaphragme pelvien, il va avoir deux rôles, donc une fonction statique et une fonction dynamique.
Et donc, ça va être les fonctions de ces deux muscles-là, donc le pubococcygien et l'iliococcygien. Voilà, donc juste pour vous resituer le schéma, là, vous avez les épines sciatiques. Voilà, là, vous allez avoir le sacrum et ici le coccyx. Là, le canal anal, là, le vagin et là, l'urètre. Ça, c'est la symphyse pubienne. Et là, ce qu'on voit ici, c'est des muscles des membres inférieurs. Donc là, vous allez avoir l'obturateur interne qui va venir contre le foramen obturé, qui va le boucher, entre guillemets. Et là, on a le muscle piriforme. Donc, c'est pas vraiment des muscles du diaphragme pelvien, mais ils sont représentés ici pour qu'on puisse se situer. Mais voilà, c'est des muscles des membres inférieurs et pas du diaphragme pelvien, attention. Donc voilà, des muscles de l'appareil locomoteur. Attendez, je tourne. Ah, voilà. Donc là, pour reprendre avec le lévateur ani, qui est vraiment le muscle principal, je vous ai dit qu'il avait deux fonctions, donc une fonction dynamique et une fonction statique. La fonction dynamique, elle va être assurée par le pubococcygien, donc celui qui va du pubis au coccyx. Donc ça va être une fonction sangle qui va se resserrer, enfin qui va se contracter à chaque fois que vous allez pousser, par exemple, notamment quand vous toussez, pour éviter l'incontinence, par exemple, le muscle va se contracter, il va contracter toutes les filières. La filière ici urinaire, mais aussi génitale et anale. Donc, il va avoir plusieurs faisceaux. Ici, j'en ai noté quatre. C'est les quatre les plus importants. Après, il va avoir un dernier faisceau qui va aller jusqu'au coccyx, mais c'est quelques fibres et qui vont dépendre d'une personne à une autre. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les quatre principaux qu'il faut connaître. Donc, le pubo-vaginal, le pubo-périnéal, le pubo-anal et le pubo-rétro-rectal. Donc, le pubo-vaginal, c'est très simple. Ça va du pubis au vagin, à la face latérale du vagin. Le pubo-périnéal, il va jusqu'au centre sanguinaire du périnée. On va le revoir quand on fera le périnée, ce que c'est que le centre sanguinaire du périnée, mais retenez-le pour l'instant. Donc ça va jusque-là, donc le pubo-périnéal. Le pubo-anal, ben, jusqu'au canal anal. Et le pubo-rétro-rectal, jusqu'à la face, derrière le canal anal en fait. Et c'est ce faisceau qui va se contracter lors de la défécation, donc pour fermer le canal anal justement. Et là, vous voyez, il y a quelques petites fibres qui vont jusqu'au coccyx. Mais voilà, vraiment, les quatre faisceaux qu'il faut connaître pour le pubococcygien, c'est le pubo-vaginal, pubo-périnéal, pubo-anal et pubo-rétro-rectal, qui va avoir une fonction dynamique. Ensuite, le deuxième muscle du lévateur ani, ce sera le muscle iliococcygien, qui lui sera tout le temps contracté, en fait, parce que c'est ce qui va maintenir tous les organes et toutes les structures qu'on a au niveau du pelvis. Donc lui sera toujours contracté, vous ne pouvez pas le contracter volontairement. Et donc voilà, c'est celui qu'on voit là. Donc il va s'insérer sur l'arc tendineux du lévateur ani, pardon. Donc à la face antérieure du... Là en fait, vous avez le foramen obturé avec le muscle obturateur. Donc ça va s'insérer au niveau antérieur du foramen obturé jusqu'à l'épine sciatique. Là, ça va passer le long du ligament sacro-épineux. Donc, ligament que vous avez vu au début du cours. Donc, voilà, jusqu'au coccyx, d'où son nom iliococcygien. Vraiment, tous les noms des muscles, vous verrez, ils ont les noms de là où ils s'insèrent. Donc, c'est très facile à retenir où est-ce qu'ils s'insèrent. Après, voilà, il faut retenir leur rôle. Donc, une fonction dynamique pour le pubococcygien et une fonction statique pour l'iliococcygien. Et le pubococcygien, il a quatre faisceaux. Donc voilà, je vous répète à chaque fois les choses importantes qu'il faut bien retenir. Je me dis que ce sera plus facile à vous pour comprendre. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, que ce soit par message ou juste vous activer votre micro. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui était les muscles au niveau du pelvis et du diaphragme pelvien, là on va passer au niveau des structures ligamentaires et fibreuses. Donc les structures ligamentaires et fibreuses, on va appeler... tout ce qui est fibreuse, ce sera tout ce qui est fascia. Donc, c'est des espèces de draps, en fait, qui vont recouvrir toutes les structures, que ce soit organes ou muscles, et qui vont avoir pour rôle de maintenir tous les organes et tous les muscles du pelvis, mais de tout le corps, en fait. Vous verrez en anatomie, il y a des fascias absolument partout qui vont recouvrir tous les muscles, les organes, etc. Donc là, on va en premier parler des deux ligaments que vous verrez ici au niveau du pelvis. Donc, le ligament pubo-vésical, donc du pubis, il va traverser en fait jusqu'à la face antérieure en fait du vagin. Mais voilà, donc c'est celui-là, le pubo-vésical. Ensuite, il va se poursuivre avec le fascia vaginal.
qui va se coller entre guillemets sur tout le long de du vagin, qui est très important pour maintenir justement le vagin. Ensuite, vous aurez le ligament anocoxygien, donc en fait qui part de l'anus au coccyx, et le fascia rectal, donc le long du rectum. Donc vous voyez, les noms sont très simples à retenir, hein, puisque ça dit exactement où est-ce qu'ils sont insérés. Donc voilà pour ce qui est des structures ligamentaires. Donc souvenez-vous de ces deux ligaments, pubo-vésical et anocoxygien, et les deux fascias, le fascia rectal et le fascia vaginal. Donc là, on va avoir un schéma qui est un peu plus complet. Donc vous verrez qu'il y a deux parties sur ce schéma qui sont séparées. Donc cette partie, ça va être tout ce qui est muscle. Et en fait, ici à côté, c'est les fascias, mais en dessous, il y a les muscles. Là, ici, on a soulevé tous les muscles pour que vous puissiez voir. On a soulevé tous les fascias, par contre, pardon, pour que vous puissiez voir les muscles. Mais normalement, dans la vraie vie, c'est ça qu'on voit. C'est qu'on recouvre que deux fascias. Les muscles, ils ne sont pas comme ça. On ne les voit pas directement, quoi. Pardon, les fascias et ligaments, tu peux répéter les différences, s'il te plaît. Les fascias, ça va plus être comme des draps qui vont venir recouvrir tes muscles, alors que les ligaments, ben, ça sera plus comme des espèces de cordes, en fait, qui vont maintenir. Là, tu vois, tu as le ligament. On va revenir là, attends. Là, tu as le ligament pubo-vésical qui va. Enfin, voilà, ça va être plus comme une corde qui va. Je parle vraiment des mots qui ne sont pas très scientifiques, mais c'est pour que tu comprennes mieux, qui va s'accrocher au niveau du pubis. Et qui va maintenir vraiment toute cette zone où il y a l'urètre, alors que le fascia, lui, ça va être vraiment un drap, ça sera beaucoup plus large, et qui va venir tout le long de la face du vagin, en fait. Tout autour du vagin, tu vas avoir le fascia vaginal, alors que les ligaments, c'est plus comme des cordes. Voilà, je ne sais pas si tu as mieux compris comme ça. Tu n'hésites pas à me redemander si tu as compris, je réexpliquerai mieux. Donc voilà, pour vous dire sur ce schéma... Vous avez le côté muscle où on vous a enlevé les fascias pour que vous puissiez mieux voir, mais ça, c'est le côté vrai vie, entre guillemets. Donc, on va avoir l'arc tendineux du lévateur ani. Donc, ça va être là où vont s'insérer le muscle du lévateur ani, le muscle iliococcygien, puisque le pubococcygien, lui, va s'insérer au niveau du pubis, alors que l'iliococcygien, lui, ça va plus être une membrane qui va être plus large, donc qui va s'insérer sur une plus grande surface. Et donc, il y a un arc tendineux qui correspond à cette insertion. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la même insertion que le muscle iliococcygien, donc au niveau antérieur du foramen obturé, jusqu'à l'épine ischiatique. Donc ça, ici, c'est l'arc tendineux du lévateur ani. Et ensuite, vous avez l'arc tendineux du fascia pelvien. Donc, il ne faut pas confondre les deux, c'est deux choses différentes, même si moi, je me rappelle que j'avais beaucoup de temps, je les confondais tout le temps, parce que pour moi, c'était la même chose. Mais en fait, non, parce que là, vous avez l'arc tendineux du lévateur ani, donc celui qui est ici. Et là, tout ce qui va partir donc, le long du ligament pubo-vésical, du fascia vaginal, et qui va rejoindre l'épine ischiatique, ça, c'est l'arc tendineux du fascia pelvien. Donc le fascia, ça va être tout ça, donc tout ce qui est rayé ici, donc qui va recouvrir, en fait, quand on va de ce côté, qui va recouvrir tout le muscle iliococcygien. Et là, vous l'avez ici. Et donc ça, c'est l'arc tendineux du fascia pelvien. Donc, ça, c'est du lévateur ani. Donc, c'est deux structures qui sont différentes, mais qui ont le même rôle au final. Et donc, le fascia pelvien, il va recouvrir toutes les structures qui sont sous-jacentes, donc tous les muscles et organes qui sont en dessous, sauf les foramen. Donc, les foramen, c'est des éléments de communication qui vont permettre aux vaisseaux et aux nerfs de passer du pelvis jusqu'au membre inférieur. Donc, vous connaissez le foramen obturé, normalement. Donc, c'est là où tous les nerfs et vaisseaux vont passer au membre inférieur pour les irriguer. Et à cet endroit-là, donc là, vous voyez que là où c'est noir, vous voyez qu'il n'y a pas de fascia qui ne vont pas recouvrir justement pour laisser passer ces vaisseaux. Donc, il y a une question. Je n'ai pas compris, pourrais-tu réexpliquer, s'il te plaît? Réexpliquer quoi? Les fascias? Dites-moi si je parle vite aussi, hein, je peux ralentir. C'est les fascias que tu n'as pas compris ou c'était plus loin? Tu peux parler au micro hein, si tu veux. Hein. La différence entre l'arc tendineux du fascia pelvien et du lévateur ani, j'imagine. Alors, je reprends. C'est vrai que c'est un peu compliqué au début, mais vous verrez au final, une fois que vous avez imprégné toutes ces notions, ce sera très, très facile à retenir. Alors là, en fait, dans le cours, on va vous parler de deux arcs tendineux, donc de deux arcs où vont s'insérer des structures.
Donc, on va avoir l'arc tendineux du lévateur ani. Rappelez-vous, le lévateur ani, on a dit que c'était le muscle principal du diaphragme pelvien. Donc, rien que dans le nom arc tendineux du lévateur ani, vous allez comprendre que c'est un muscle du lévateur ani qui va s'y insérer. Ici, c'est le muscle ilio-coccygien, donc celui-là ici qui est rayé, donc le grand muscle qui a une fonction statique, qui va être tout le temps contracté pour maintenir tous les organes. Et l'arc tendineux, ça va être là où va s'insérer le muscle ilio-coccygien. Donc, je vous ai dit, ici, vous avez le muscle obturateur. Et donc, en fait, derrière, vous avez le foramen obturé. Et ici, vous avez l'arc tendineux du lévateur ani et qui va s'insérer au niveau antérieur du foramen obturé, donc ici, jusqu'à l'épine ischiatique ici. Donc, en fait, ça, c'est l'épine ischiatique. C'est vrai que c'est une coupe qui est assez particulière. Mais voilà, donc là, vous avez l'épine ischiatique qui est ici. Et tout ça, c'est l'arc tendineux du lévateur ani, là où va s'insérer le muscle ilio-coccygien, qui est un des muscles du lévateur ani. Voilà, et ensuite le lévateur ani, on voit qu'il s'insère aussi sur le ligament anococcygien ici, anococcygien n'importe quoi, le ligament sacro-épineux. En plus, je vous ai dit que les noms donnaient les insertions, mais voilà. Et pour ce qui est pour ce qui est de l'arc tendineux du fascia pelvien. Donc là, vous avez le mot fascia pelvien. Fascia, je vous ai dit que c'est des structures fibreuses qui vont venir recouvrir tous les éléments sous-jacents, donc muscles et organes. Et le fascia pelvien, lui, il va s'insérer au niveau médial, en fait. Donc tout le long du ligament attendez, il y a des questions. Je n'ai pas compris le rôle arc tendineux du lévateur ani et arc tendineux du fascia pelvien. Ce sont des structures pour soutenir. En fait, l'arc tendineux du lévateur ani, ça va être des structures qui vont permettre aux muscles de s'insérer. Et l'arc tendineux du fascia pelvien, c'est une structure qui va permettre au fascia pelvien de s'insérer. En fait, c'est comme si c'était des coutures, en fait. Tu vois, des coutures qui vont venir renforcer le fascia pelvien ou le muscle ilio-coccygien. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Ah, il y a plein de questions. Du coup, les foramen obturés, il y a des nerfs, des vaisseaux et aussi le muscle obturateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le foramen obturé, tu vas avoir le muscle obturateur qui va venir obturer le foramen obturé. Et tu vas avoir un espèce de trou, en fait, qui va ici, tu le vois ici en noir, et qui va te permettre de faire passer les ligaments, les nerfs et artères pour les membres inférieurs. Mais juste donc pour revenir sur l'arc tendineux du fascia pelvien. En fait, voilà, c'est une structure qui va venir, c'est une couture, en fait. Dites-vous que ça va être un drap qui va être cousu au ligament pubo-vésical, au fascia vaginal, au fascia rectal et au ligament anococcygien. Voilà, c'est pour vraiment soutenir et maintenir ce fascia pelvien. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. D'accord, merci. Je ne sais plus c'est qui, c'était Alexia, je crois, qui avait demandé. Si c'est plus clair, dites-moi. Sinon, je réexplique. Bon, voilà. Donc, pour revenir là-dessus, le fascia pelvien, donc il va venir recouvrir les structures, encore une fois, je vous le répète, il va tout recouvrir, sauf les foramen. Donc, ça, c'est très important, il peut vous faire des pièges dessus. Mais il faut bien se rappeler que les foramen ne sont pas recouverts par le fascia pelvien. Ça va? Ok. Et là, on va avoir le foramen. Donc, on va avoir trois foramen ici. Donc, le foramen obturé que vous connaissez. Là, vous rappelez-vous, je vous ai dit ici que c'était le muscle piriforme. Donc là, vous avez le foramen infra-piriformien et là, le foramen supra-piriformien. Donc, en dessous et au-dessus. Là où donc le fascia ne va pas recouvrir. Donc, voilà pour ce qui est des insertions et des muscles. Voilà, maintenant, on va passer au périnée. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ce qui était diaphragme pelvien, ligament et fascia. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir dans ce cours au niveau du pelvis et de tout ce qui est musculaire. Peut-être qu'il y en a qui ont été en pas juste avant. Donc, vous voyez bien que là, il y a beaucoup moins de choses à apprendre. Et vraiment, contentez-vous d'apprendre ce que le prof vous dit. Et n'allez pas rajouter des trucs à côté parce que vous avez vu ça l'année dernière ou quoi. Vraiment, vous voyez que là, c'est quelques petites structures à connaître, mais connaissez-les bien et ne cherchez pas à reprendre ce que vous avez appris l'année dernière, par exemple. On parle du piriforme pour innervation, du coup. Comment ça? Le muscle
piriforme, lui, c'est un muscle des membres inférieurs. Et il va avoir des foramen qui va laisser passer les artères et les nerfs pour venir justement énerver et irriguer les membres inférieurs. Mais je n'ai pas très bien compris ta question. Si... Ah, ok, ça va. Voilà. Donc, est-ce que tout est bon? Je m'assure que vous avez bien compris toutes les structures qu'il y a ici sur ce schéma. Parce que si vous avez ce schéma en tête, vous connaissez tout, hein, clairement. Donc, c'est bon. Bon, au pire, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route. Je reviendrai dessus, pas de souci. Là, maintenant, on va passer au périnée féminin. Donc, le périnée, c'est plus bas que le pelvis. On y reviendra, mais gardez ça en tête. Donc, on va avoir le pelvis qui est au-dessus avec le diaphragme pelvien. Et là, on va passer au périnée. Donc, on va voir deux plans au niveau du périnée. Donc, le plan superficiel et le plan profond. Ce que vous devrez retenir, en fait, c'est les structures qu'il y a au niveau du plan superficiel et du plan profond. C'est quelque chose qui tombe tout le temps au QCM. Donc là, on va voir le plan superficiel, ensuite le plan profond, et je vous répéterai ce qu'il faut bien connaître. Donc là, ce schéma, il est en position périnéale, donc c'est la position gynécologique. Donc là, vous avez la symphyse pubienne, là, vous avez l'ouverture du vagin, là, vous avez l'anus, l'urètre, et voilà. Donc de ce côté, on va voir toutes les structures qui sont superficielles, et ensuite, on verra tout ce qui est au niveau du plan profond. Donc les trois structures à connaître parfaitement dans le plan superficiel, c'est le clitoris, le centre sanguineux du périnée et la glande vestibulaire majeure. Donc ça se situe au niveau du plan superficiel et il faut que vous le sachiez pour toujours. Donc le clitoris, il est constitué de plusieurs éléments. Donc vous allez avoir le corps caverneux qui se situe ici. Donc en fait, ça va être un corps érectile en fait. Vous aurez le bulbe et le bulbe vestibulaire. Donc le clitoris, c'est le corps caverneux et le bulbe vestibulaire. Et là, vous avez ce qui va être apparent. Mais le corps du clitoris, il n'est pas apparent. Et donc là, c'est les structures que vous ne voyez pas, en fait, qui sont cachées. Donc corps caverneux et bulbe vestibulaire. Et par-dessus ce corps caverneux et ce bulbe vestibulaire, vous allez avoir des muscles. Donc le muscle ischio-caverneux que vous avez ici. Alors ici, vous voyez qu'en fait, il est coupé, mais normalement, il recouvre tout le corps caverneux. Mais c'est juste que là, pour le schéma, le prof n'a dessiné que la moitié pour que vous puissiez voir justement ce qu'il y a en dessous. Et le deuxième muscle, c'est le muscle bulbo-spongeux qui va lui être le long du bulbe vestibulaire. Et pareil, hein, il recouvre tout le bulbe vestibulaire. C'est juste que là, pour une meilleure visualisation, il a été dessiné qu'à moitié. Donc ça, c'est pour ce qui est du clitoris et des quatre de ce qui le compose. Donc, corps caverneux, bulbe vestibulaire, muscle ischio-caverneux et muscle bulbo-spongeux. Donc, tout ça au niveau du plan superficiel du périnée. Du périnée, attention, et pas du pelvis. Ensuite, vous avez le centre tendineux du périnée. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour l'insertion du pubococcygien. Un des faisceaux du pubococcygien, je vous ai dit, qui s'insérait sur le centre tendineux du périnée. Là, c'était le faisceau périnéal. Et en fait, le centre tendineux du périnée, c'est une structure pyramidale à base superficielle. Donc sa base est superficielle, mais il va aller plus profondément au niveau du périnée. Mais il y a quand même une base qui est superficielle et qui va donner insertion au muscle transverse superficiel. Donc ça, c'est celui-là, celui que vous retrouvez ici. Et c'est assez facile à retenir, vous vous dites muscle transverse superficiel, plan superficiel du périnée. Ça ne devrait pas être compliqué à retenir. Et la dernière structure, c'est la glande vestibulaire majeure que vous avez ici en orange. Qui a pour rôle de lubrifier le vagin et qui se trouve elle aussi au plan superficiel. Donc voilà, là on vient de voir le périnée et son plan superficiel avec le clitoris, le corps caverneux, le bulbe vestibulaire, le muscle ischio-caverneux et le muscle bulbo-spongeux. On a le muscle transverse superficiel qui s'insère au niveau du centre tendineux du périnée, qui est une structure tendineuse pyramidale à base superficielle. Et enfin, la glande vestibulaire majeure. Qui est à l'entrée du vagin, qui va permettre de lubrifier le vagin. Donc voilà, donc ici vous avez sur le schéma tout ce qui est superficiel, et là on va penser à les structures qu'il y a au niveau du plan profond du périnée. Là on a récliné un fascia, mais c'est pour que vous puissiez voir les structures qu'il y a en dessous. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est recouvert par des fascias. On verra ensuite les fascias du périnée,
Mais ça non plus, ça, c'est pas comme ça, à l'air libre, entre guillemets, il y a un fascia qui va les recouvrir. Pareil pour le plan profond, il y a un fascia qui va le recouvrir. Et voilà, c'est important, c'est de connaître les fascias et ou à quel niveau est-ce qu'ils sont. Donc avant de parler des fascias, on va s'intéresser au plan profond et de quoi est-ce qu'il est composé. Donc on va avoir le sphincter externe de l'urètre, qui est donc un muscle qui est composé du muscle urétro-vaginal, donc de l'urètre au vagin, c'est celui-là, et du muscle compresseur de l'urètre, lui il est un peu plus large, c'est celui-là. Donc sphincter externe de l'urètre, c'est un muscle qui est dépendant de la volonté, donc c'est vous qui contrôlez ce muscle en fait. Et moi, c'est vrai que j'avais tendance à me dire, ah, vu que c'est dépendant de la volonté, ça va être plus au niveau du plan superficiel. Mais non, faites attention, hein, le sphincter externe, il est bien au niveau du plan profond. Et il est constitué de deux muscles, urétro-vaginal et compresseur de l'urètre. Ensuite, vous aurez le muscle transverse profond, qui va s'insérer au niveau du centre tendineux du périnée. Donc voilà, transverse profond, plan profond du périnée, encore une fois, ça va. Et enfin, la fosse ischio-rectale. En fait, c'est une fosse paire. Là, il n'y a qu'une seule flèche, mais il y a la même de l'autre côté, en fait. Et en fait, c'est une fosse qui est pleine de graisse, en fait, et qui va permettre, sur un plan chirurgical, de faire passer des instruments chirurgicaux. Et en fait, ça va permettre de passer du pelvis au périnée, en fait. Et qui se trouve au niveau du rectum, en fait, qui est vraiment à l'arrière. Et qui est vraiment à l'arrière, mais vraiment dans le plan profond, et qui est une fosse qui est délimitée, en fait, au niveau du rectum, donc près du rectum, et qui remonte vers le haut, en fait. Là, on a l'impression qu'elle va vers l'avant, mais vraiment, c'est une fosse qui va remonter vers le haut, jusqu'au pelvis. Là, je vous ai mis de faire très attention, diaphragme urogénital et diaphragme pelvien, c'est pas la même chose. Alors, je vous ai pas encore parlé du diaphragme urogénital, mais on a déjà vu le diaphragme pelvien avec le levator ami, qui lui est beaucoup plus haut au niveau du pelvis. Et vraiment, il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Le diaphragme urogénital, ça va être ce qui va être composé par le muscle transverse profond, en fait. Alors que le diaphragme pelvien, il va être plus haut et lui va soutenir tous les organes, donc vessie, rectum et utérus. Et le urogénital, lui, va être vraiment beaucoup plus bas, en fait. Il ne faut pas confondre les deux étages. Il y a un schéma après qui vous permettra de mieux voir toutes ces structures. Dites-moi, hein, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Voilà, c'est ce schéma, vous voyez bien ici. Là, ça va être le diaphragme urogénital avec le transverse profond. Et là, c'est vraiment le diaphragme pelvien. Donc, et là, voilà, là, vous avez la fosse ischio-rectale. Donc, en fait, c'est une fosse graisseuse qui permet de passer du pelvis au périnée. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des fascias. Donc, comme je vous l'ai dit, toute structure est recouverte de fascias. Et donc, on va voir les différents fascias qu'on va retrouver au niveau du pelvis et du périnée. Donc, ça, c'est une coupe frontale. Donc, là, vous avez le col de l'utérus. Là, vous avez le vagin, les petites lèvres, les grandes lèvres. Là, c'est l'os coxal qui est coupé. En fait, tout ce qui est comme ça, hachuré, c'est les os. Donc, là, vous avez l'os. Là, vous avez le foramen obturé avec une membrane qui va l'obturer et le muscle obturateur. Et là, vous avez le muscle piriforme. Voilà, là, vous avez la cavité péritonéale avec le péritoine ici. Là, vous avez le diaphragme pelvien avec ses insertions. Donc, insertion arc tendineux du levator ami et arc tendineux du fascia pelvien. Et là, en fait, vous avez un petit espace qui correspond à un espace où vont passer le nerf et l'artère pudendale, qui sont des nerfs et des artères qui vont venir innerver toutes les structures qu'il y a au niveau du périnée. Voilà, donc pour revenir au fascia, on va en avoir trois principaux. Donc on va avoir le fascia superficiel du périnée, le fascia inférieur du diaphragme urogénital et le fascia supérieur du diaphragme urogénital. Donc le fascia superficiel, ben, c'est simple, c'est au niveau superficiel, c'est ce que vous avez ici en jaune. Donc là, vous avez les structures du plan superficiel du périnée. Donc on a dit qu'au niveau du plan superficiel, si quelqu'un pouvait me redire les structures qu'il y a au niveau du plan superficiel, ça vous ferait participer, c'est peut-être plus cool. Vous pouvez prendre la parole au micro. Donc le plan superficiel, je vous ai dit qu'il y avait trois structures. Si vous vous rappelez de ce que c'est, sinon je vous les redis, mais... Du coup, il y avait clitoris, centre tendineux du périnée et glande vestibulaire majeure.
Voilà, super, merci. Voilà, bah, très bien. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici. Et ces structures, donc du plan superficiel, vont être recouvertes par le fascia superficiel du périnée. Hop, j'ai perdu ma souris, attendez. Voilà. Donc là, vous avez la glande vestibulaire majeure. Et là, vous avez le clitoris, donc ici. Maintenant, le fascia inférieur du diaphragme urogénital va recouvrir les structures du plan profond du périnée. Donc, si vous pouvez me dire aussi les structures du plan profond, c'est bien aussi. Voilà, Mathilde a dit toutes les structures du clitoris, c'est très bien. Donc, plan profond du périnée, pareil, ça va être trois structures, si vous vous souvenez. Je vous laisse écrire ou je vous l'ai dit. Dites-moi, hein, si vous ne vous rappelez pas, je vous le répète. Hein. Bon, je vous l'ai dit, peut-être que bon, muscle transverse profond, sphincter externe et compresseur de l'urètre. Oui, c'est ça. Et il y en a un troisième. C'est ça, c'est la fosse ischio-rectale. Voilà, donc c'est les trois structures du plan profond qui vont être recouvertes par le fascia inférieur du diaphragme urogénital que vous voyez ici en vert, en fait. Voilà, et ça, en fait, c'est le transverse profond du périnée. Et enfin, vous avez un dernier fascia qui est le fascia supérieur du diaphragme urogénital. En fait, on dit superficiel inférieur à supérieur en partant du bas, en fait. Et pas de comme ça, on part d'ici d'en bas. Donc, fascia superficiel du périnée, fascia inférieur du diaphragme urogénital. Et là, vous noterez qu'on utilise le terme diaphragme urogénital, donc qui est constitué par le muscle transverse profond. Là, on a le muscle transverse profond. Ah, j'arrête pas de faire ma souris. Ah voilà. Et là, on a le fascia supérieur du diaphragme urogénital. Là, normalement, vous arrivez bien à voir les différentes structures et c'est plus simple que les autres schémas. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Voilà, donc là, je vous ai fait le schéma où je vous ai montré donc, toutes les parties en fait, qu'on retrouve dans le pelvis. Donc, cavité péritonéale, comme je vous l'ai dit, espace pelvien. Donc, ici, avec le diaphragme pelvien, donc, que j'ai noté ici. Au-dessus du diaphragme pelvien, donc vous aurez vessie, rectum et utérus. Là, vous avez la fosse ischio-rectale et là, vous avez le périnée. Donc ici, le périnée. Donc périnée profond, avec les structures qu'on vient de dire, et périnée superficielle. Là, vous avez le fascia superficiel du périnée, le fascia inférieur du diaphragme urogénital et le fascia supérieur du diaphragme urogénital. Une question. Le diaphragme pelvien est constitué du levator ani. Oui, c'est ça. Donc, le diaphragme pelvien, ça va être une membrane qui va être constituée. Le son muscle principal, c'est le muscle levator ani. Après, il y a d'autres muscles, mais vous les verrez pas en las, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on reste sur le diaphragme, sur le levator ani. De rien. Donc, voilà. Donc, là, ce schéma, ça résume tout, en fait, et ça vous permet de positionner les structures et de savoir où ça se situe. Voilà. Et donc, ça, c'est le schéma de conclusion. Vous avez les flèches, en fait, qui vous indiquent tout. Donc, voilà, je vous répète, fascia superficielle du périnée, glande vestibulaire, bulbe vestibulaire contrôlé par le muscle bulbo-spongieux, donc ça c'est pour ce qui est du clitoris. Là vous avez le corps caverneux qui est contrôlé par le muscle ischio-caverneux du clitoris. Et donc ça va être toutes les structures du plan superficiel du périnée. Là vous avez le fascia inférieur du diaphragme urogénital. Là le périnée profond avec le muscle transverse profond. Donc vous voyez qu'en fait le fascia inférieur du diaphragme urogénital, il va séparer le plan superficiel du périnée du plan profond du périnée. Voilà, donc là vous avez la fosse ischio-rectale, le levator ani, l'arc tendineux du fascia pelvien, l'arc tendineux du levator ani. Je crois que j'avais dit l'inverse tout à l'heure, hein, désolé. Voilà, arc tendineux du fascia pelvien, j'ai dit qu'il passait donc par le fascia vaginal. Donc vous voyez bien qu'il s'insère ici sur le fascia vaginal qui va faire comme une suture en fait. Là vous avez l'arc tendineux du levator ani, qui va permettre l'insertion du muscle ilio-coccygien.
Donc, muscle qui a une fonction statique pour le diaphragme pelvien. Voilà, donc là, vous avez les muscles des membres inférieurs. Là, vous avez le nerf et l'artère pudendale, comme je vous disais, qui vont venir innerver les membres inférieurs. Voilà, membrane obturatrice. Bon, je vous laisse après regarder le schéma tout seul chez vous, vous comprendrez mieux. Mais voilà, vraiment, ce schéma, si vous l'avez en tête aussi, ben, y a tout. Et ça vous permettra de ne pas confondre, vraiment pas confondre, diaphragme urogénital et diaphragme pelvien, par exemple. Il faut bien savoir les structures qu'il y a au niveau du plan superficiel et du plan profond. Et voilà, au final, vous voyez qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à retenir, mais que c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut bien savoir et bien connaître. Donc voilà, en conclusion, je vous ai mis les points principaux à retenir. Donc tout ce qui est l'ostéologie de l'os coxal, les 3D3 qui sont très importants, donc supérieur, moyen et inférieur, les 5 diamètres aussi qui sont importants. Au niveau du diaphragme pelvien, il faut bien connaître le muscle principal, donc le levator ani, avec sa fonction statique qui est assurée par le muscle iliococcygien et sa fonction dynamique qui est assurée par le pubococcygien. Bien connaître aussi les 4 faisceaux du pubococcygien, les structures du pelvis profond, les structures du pelvis superficiel, donc à connaître aussi, voilà, et surtout ne pas confondre diaphragme pelvien et diaphragme urogénital parce que c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout au même endroit. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir du cours en fait. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choses, c'est un cours qui n'est pas très long. Après, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître difficile parce qu'il y a plusieurs structures, beaucoup d'insertions, des mots aussi qu'on peut ne pas connaître. Mais à force de le voir, vous verrez, ça va rentrer tout seul. Et vraiment, vous voyez bien les schémas. Si vous arrivez à bien retenir ce schéma et l'autre schéma aussi, le premier schéma que je vous ai montré, bah, ça devrait aller. Vraiment essayer de comprendre où sont situés les muscles pour retenir. Et voilà, hein. Sinon, c'est tout pour ce qui est de ce cours. Là, je vous ai fait quelques QCM après, mais j'attends de voir si vous avez des questions sur n'importe quelle partie. Allez-y, hein, c'est le moment. Vous pouvez parler au micro directement si vous voulez. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions. Alors, vous connaissez tout, ferez un 100 points au QCM. Parce que s'il n'y a pas de questions, c'est que vous savez tout. Donc, par contre, moi, je n'ai pas toutes claps, donc on va faire comme avant. Donc, je vous laisse le temps de lire les questions, d'y répondre et vous mettez ce que vous pensez être juste dans la discussion. Vous mettez les lettres qui, pour vous, sont vraies. Je vous laisse 2 minutes, 2-3 minutes à chaque fois. Là, il est 46. À 49, on fait la correction, si ça vous va. La rétrotranscription, comment ça? Tu veux dire les ronéos du TAM quand les tuteurs écrivent tout? Après, ça dépend de toi, hein. Les cours qui sont écrits par le TAM sont complets. Ça va être tout ce que le prof va dire. Il va en manquer. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait tout qui était dit. Maintenant, si toi, tu préfères regarder en plus les vidéos du prof parce que ça t'aide à mieux retenir, oui, tu peux regarder les vidéos, mais les cours en soi suffisent. Mais après, c'est à toi de voir. Enfin, moi, je sais que. J'ai vu toutes les vidéos en plus de lire tous les cours, enfin les vidéos et les cours à côté, sauf tout ce qui était médicaments, parce que pour moi les vidéos étaient trop longues et que j'avais pas forcément envie de les regarder et que je me déconcentrais vite et que c'était juste une perte de temps. Mais voilà, c'est à toi de voir. Mais sinon, les cours retranscrits sont très bien retranscrits et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vois, vous commencez à répondre, donc vous me dites ACD. Je vais attendre que tout le monde. ACD, ACD. Oui, voilà, comme voilà, le prof, quand tu fais des schémas, c'est sûr que c'est sympa de le voir quand tu les fais lui, quoi. Bon, je vais attendre encore 1 minute et on fait la correction. Bon, je me dis que vous avez peut-être tous eu le temps de lire.
et de répondre. Alors, on passe à la correction. Alors, vous avez tous raison, donc c'est bien ACD. Donc, à la A, le diaphragme pelvien est une structure anatomique qui sépare le pelvis du périnée. Vous avez bien retenu où se situe le diaphragme pelvien, donc c'est très bien. Le lévateur anus est constitué des muscles pubococcygiens, iliococcygiens, obturateur interne et piriforme. Donc voilà, vous aussi, vous avez dit que c'était faux. Donc, obturateur interne et piriforme, c'est vraiment les muscles de l'appareil locomoteur et pas du diaphragme pelvien. Voilà, le muscle pubococcygien a une fonction dynamique. Donc ça aussi, c'est vrai, vous aviez raison. Donc il a une fonction de sangle avec ses quatre faisceaux. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les quatre faisceaux du pubococcygien qui sont à connaître aussi. Et voilà, donc on le retrouve à la D, donc le pubo-vaginal, le périnéal, le faisceau anal et le pubo-rétrorectal. Donc ce sont les faisceaux du muscle pubococcygien. Il y a toujours le mot pubo en fait avant. Là j'ai enlevé, mais c'est pubo-vaginal, pubo-périnéal, pubo-anal et pubo-rétrorectal, parce que ça part en fait du pubis. Et le muscle iliococcygien a une fonction dynamique, donc voilà, c'est faux, c'est une fonction statique, c'est celui qui est tout le temps contracté. Voilà, on va passer au QCM suivant, il y en a trois je crois, donc ça c'est le deuxième. Pareil, je vous laisse 2-3 minutes, et vous mettez... Donc, je commence à avoir une réponse. J'attends que vous soyez plus quand même à répondre. Bon, il y a qu'un. B, oui. C'est tout? J'attends encore que... Oh, pardon. Oh non, je suis désolée. Je vous ai mis la réponse. Bon, désolée. Vous avez tous vu la réponse, du coup. Bon, on passe à la correction, alors. Donc, vous aviez raison, c'est bien la B qui est juste. Donc, la A, le muscle lévateur anus est le muscle principal du diaphragme urogénital. Donc, bien sûr que c'est faux. Donc voilà, ne pas confondre urogénital et pelvien. La B, l'arc tendineux du lévateur anus correspond à l'insertion du muscle iliococcygien. C'est vrai. Donc lévateur anus, rappelez-vous, au niveau antérieur du foramen obturé jusqu'à l'épine ischiatique. Vous vous rappelez de l'arc tendineux du lévateur anus. L'arc tendineux du fascia pelvien s'insère à la partie antérieure du foramen obturé, du coup c'est faux. Voilà, il s'insère au niveau du ligament pubo-vésical et du fascia vaginal, alors que la partie antérieure, c'est pour l'arc tendineux du lévateur anus. Le muscle pubococcygien est aussi appelé muscle compresseur de l'urètre. Alors ça, c'est complètement faux, hein. Je vous ai mis ça pour vous embrouiller un peu, mais je vois que ça n'a pas marché, tant mieux. Donc le compresseur de l'urètre, c'est un faisceau du sphincter externe de l'urètre au niveau du plan profond du périnée. Donc rappelez-vous, hein, sphincter externe de l'urètre, c'est le plan profond et pas le plan superficiel. Et donc il est composé du compresseur de l'urètre et du muscle rétrovaginal. Et enfin, le fascia pelvien recouvre tous les éléments sous-jacents. Voilà, c'est faux. Là, on pourrait se dire c'est vrai, sauf qu'il manque le soft
Donc, c'est restrictif, en fait, puisqu'on n'a pas mis sauf les foramen. Parce que je vous ai dit, les fascias pelviennes ne recouvrent pas les foramen. Voilà. Donc, jusque-là, ça va, il n'y a pas de questions. On va passer au dernier QCM. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez vraiment pas. Hein. Pareil, je vous laisse 2-3 minutes. On voit à partir de quand vous commencez à répondre. Ok, donc vous commencez à répondre. Tout le monde me dit « e ». On va attendre encore quelques personnes. Pareil, « e ». Ok, tu peux passer à la correction ou j'attends encore un petit peu? Bon, si personne répond, on va passer à la correction. Alors, c'était B et E. Alors, c'est vrai que la B, j'ai peut-être pas trop insisté dessus, mais on va voir. Alors, le plan profond et superficiel du périnée est délimité par le fascia supérieur du diaphragme orogénital. Alors, vous avez raison, c'est faux, c'est bien le fascia inférieur. Donc, je suis contente que vous êtes souvenu de ça. Parce que c'est vrai que moi, j'avais un peu du mal au début, mais voilà. Donc, vraiment, fascia inférieur et fascia supérieur, lui, il recouvre le muscle transverse profond. Mais vraiment, il est vraiment plus supérieur, quoi, au niveau presque de la fascie sur-rectale. Le centre tendineux du périnée donne insertion au muscle transverse profond et superficiel. Alors, ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur les schémas, je vais vous le remettre. Donc, le centre tendineux du périnée, il va donner insertion à plusieurs muscles, en fait. On n'est pas ce schéma. Voilà, là. Là, vous avez le transverse superficiel, sur le plan superficiel. Et là, vous avez le transverse profond. Il va aussi donner insertion au muscle pubo-coccygien, donc au faisceau, au faisceau pubo-périnéal. Donc, j'ai dit qu'il s'insérait aussi au niveau du centre tendineux du périnée. Donc, voilà, il y a plusieurs muscles qui vont s'insérer au niveau de ce centre tendineux. Donc, il y a souvent des consensus chaque année de quels muscles vont s'insérer sur le centre tendineux du périnée. Donc, je vous laisse voir avec le prof ce que va vous dire le prof cette année. Mais quand même, retenez que le transverse profond et le transverse superficiel, ils s'insèrent tous les deux sur le centre tendineux du périnée. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais le centre tendineux du périnée, il est superficiel. Alors, j'ai dit qu'il était à base superficielle, mais que c'est une pyramide, en fait. Donc, il va remonter jusqu'au plan profond, d'où le fait que le muscle transverse profond peut aussi s'y insérer. Je pensais que c'était restrictif. Ah non, j'ai pas mis de 2 points. Souvent, quand c'est restrictif, c'est quand tu as 2 points. Sauf, du coup, l'histoire des foramen, là, dans ce cas, c'est vraiment... c'est vraiment de l'exception, en fait. La phrase ne peut pas être juste quand tu dis le fascia recouvre toutes les structures.
Mais dans ce cas-là, non, c'était pas restrictif. Voilà. Voilà, le centre d'entraînement. J'ai pas mis, vous savez, quand on dit centre d'entraînement du PNE, souvent dans les QCM, on met deux points. Ensuite, on énonce toutes les structures qui peuvent être insérées là-dessus. Et quand tu as deux points, là, c'est sûr qu'il faut que toutes les structures soient notées. Mais dans ces cas-là, non. J'ai pas voulu que ce soit restrictif. Mais je peux comprendre que ça vous ait porté à la confusion. Mais voilà, retenez que le transverse profond et superficiel s'insère. Maintenant, le fascia inférieur du périnée recouvre les structures du plan superficiel. Alors, ben non, hein, plan superficiel, fascia superficiel. Ça, c'est pas compliqué à retenir. Et fascia inférieur, lui, il recouvre ben, les structures du plan profond, en fait. Et il va délimiter justement le plan superficiel du plan profond. Le plan profond se compose du muscle transverse profond. Ça, c'est vrai. Du sphincter externe de l'urètre, ça, c'est vrai aussi. Et du muscle ischio-caverneux, alors non. Le muscle ischio-caverneux, c'est le muscle qui va contrôler le clitoris. Donc, ça, c'est au niveau du plan superficiel. Donc, vous avez raison, c'est faux. Et enfin, le centre tendineux du périnée, structure pyramidale à base superficielle. Donc, voilà, ça, c'est vrai. Donc, pas bien compliqué. Hein. Je vous ai fait des QCM vraiment pas très compliqués, mais qui reprennent les notions qui, pour moi, sont quand même importantes à connaître et à bien comprendre, notamment les fascias, les diaphragmes et les muscles. C'est tout ce qu'il y a, en fait. Voilà, donc si vous avez des questions, tout de suite, n'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit dans la discussion, sur le chat, ou... Ah, le cours d'aujourd'hui représente quel pourcentage de la matière complète, s'il te plaît? Cette matière, donc petit bassin, il y a 10 cours, si je ne dis pas de bêtises, et ça, c'est un des 10 cours. Voilà, c'est un cours qui n'est pas très long. Hein. Après, quel pourcentage, je ne pourrais pas te dire exactement, mais je sais pas, peut-être que tu étais en passe avant, mais voilà, dites-vous que petit bassin, il y a 10 cours, et ça va être que des cours d'anatomie quasiment. Et lui, c'est le premier cours qui est vraiment un cours pas très long. Le cours un petit peu long, que d'ailleurs, c'est moi qui vais vous faire, ce sera le cours sur l'appareil génital. Donc vous verrez à l'après-rentrée aussi. Ça, c'est un cours qui est un peu long, mais après, tous les cours ne sont pas très longs. C'est une dizaine de pages à peu près. Hein. C'est vraiment allégé. Voilà, donc je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant ou à nous contacter, que ce soit moi ou Ruth, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, comme vous voulez. Donc des cours sur la LAS en général ou sur ce cours ou sur les cours qui arrivent. Voilà, on est là pour y répondre et pour vous aider. J'espère que c'était clair ce que je vous ai raconté, que je ne vous ai pas embrouillé et que voilà, vous avez réussi à retenir certaines notions quand même. Vous avez fait quelle LAS? Alors moi j'ai fait une passe et j'ai fait une LAS 2 du coup à Lumini. Voilà, à Lumini en SV en sciences de la vie. Voilà. Du coup, moi j'avais fait PACES et après j'ai fait du coup une LAS 3. Je ne sais pas s'il y a des LAS 3 parmi vous, mais en tout cas, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Ah bah, je suis contente alors si ça a été bien expliqué, que vous avez bien compris, tant mieux. Oui, si vous avez des questions sur la LAS SV ou même la LAS 3, du coup, bah, tant qu'on est là, on peut y répondre. De rien. Vraiment, n'hésitez pas pour les questions. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Ou si vous n'avez pas compris une notion, je peux la reprendre avec vous. Enfin, moi ou Ruth, on peut les reprendre. Après, même si vous avez des questions dans la semaine ou quoi, vous pouvez nous envoyer un message. N'hésitez vraiment pas, hein, même avant le petit concours blanc là, qu'on va faire, si vous avez d'autres questions. J'ai fait l'AS 3, biologie cellulaire, à l'UNI, du coup. Voilà. Après, on aura, enfin, je crois que oui, il y a une séance de témoignage, si on vous donnera des petites clés, des petites méthodes et tout. Mais si vous voulez parler, enfin, si vous voulez en parler un peu maintenant, avant d'aller manger. C'est comme vous voulez. Ah, l'harmonisation. Voilà, alors ça, franchement, c'est un flou total. On sait pas trop comment ils harmonisent. Voilà. Ouais, alors moi, on m'a dit qu'en gros, dans ta licence, en fait, il y a des classements, enfin, en fait, par rapport aux audiences de ta licence, tu es classé. Et d'une licence à l'autre, en fonction de ton classement, on te met un coefficient qui va voir si on t'augmente ou on te diminue ta moyenne. Pour que au final tu aies le même classement dans ta licence que dans ta LAS. Je sais que c'est pas clair parce que même moi j'ai pas très bien compris, mais voilà en fait on essaye
de te garder ton même classement entre guillemets en licence et en LAS, pour pas que ce soit trop, trop inégal. Mais voilà, enfin c'est trop bizarre dans une même licence. Moi, dans ma licence, moi, on m'a baissé de quasiment un point ma moyenne de licence, alors que j'ai des copines qui ont été augmentées de 0,5. Enfin voilà, dans une même licence, dans une même promo, l'harmonisation entre les étudiants ne sera pas la même. Donc vraiment, c'est assez compliqué à répondre, et même nous, on ne sait pas en fait. Du coup, voilà, en fait, il y a juste à donner le meilleur de vous. Enfin, c'est un peu indépendant de notre volonté, l'harmonisation. On ne sait pas trop comment ça marche, mais essayez de ne pas y penser et bosser juste pour vous, en fait. Bossez pas pour... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Essayez de ne pas trop y penser, d'avoir de meilleures notes, quoi. C'est ça, voilà. Essayez de vous concentrer que sur vous, que sur vos notes à vous, mais ne vous comparez pas aux autres, parce que finalement, en fait, on ne sait même pas comment ça marche. Ça se trouve, vous allez très bien réussir, votre pote ne va pas trop réussir et il ne sera pas dans la même licence, il va être augmenté et pas vous. C'est ça, vous ne saurez pas. Donc ça, vraiment, vous ne vous focalisez pas là-dessus. Mais je sais que c'est très frustrant. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vécu toute l'année. Enfin, j'imagine que toi aussi. C'est ouais, super ouais, dur ouais. de se dire, je ne sais même pas quelle note j'aurai à la fin, au final. C'est ça. Mais vu que vous n'avez pas le pouvoir là-dessus, ben, essayez de ne pas y penser. Voilà. C'est facile il y a à Zach dire. Qui m'a demandé si la SV, c'était dense. Non. Enfin, après, ça dépend si tu as fait une passe ou pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas très cool, ce n'est pas très dense. Juste focalisez-vous bien en général sur les cours du premier semestre, puisque c'est les notes qui vont compter. Et si tu viens de passe, tu vas voir que tous les cours, c'est les cours qu'on a fait en passe. Et le rythme est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, en vrai, ça va. Tu auras même du temps pour toi, pour tes activités extrascolaires et tout. Donc, vraiment, prenez du temps pour vous cette année. Hein, vous ne mettez pas trop la pression. Voilà, et bossez régulièrement. Et c'est ça qui va compter, en fait. Et voilà, sinon, c'est pas très, très dense. Non. Juste dans toutes les licences, le S1 est pris en compte. Oui, c'est ça. Il n'y a que le premier semestre qui est pris en compte. Donc, la moyenne de votre premier semestre. Il faut que vous validiez votre deuxième semestre, en fait. Mais vu que les notes se compensent, vous pouvez même ne pas avoir 10 au deuxième semestre. Ce que je ne vous conseille pas du tout, hein. Mais voilà, le deuxième semestre ne compte pas du tout. En vrai, tu as un peu de temps quand même pour des activités extrascolaires. Après, cette année, c'était un peu particulier, mais enfin, c'est pas comme la passe où tu vas passer 12 heures à bosser, quoi. Oui, Genre, voilà, déjà, c'est dans ce sens que je vous dis que tu as du temps, quoi. C'est ça. Déjà, tu as des cours à la fac, donc ça fait que tu ne peux pas bosser 12 heures par jour tes cours. Ce que tu peux faire, c'est, tu sais, tu prends le sport à la fac. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait. Et je faisais le midi, au moins ça me faisait une petite pause après les cours, j'allais faire du sport et après je taffais, quoi. Mais essaye de prendre un peu du temps pour toi, parce que sinon tu vas pas tenir. Vraiment, essaye de penser à toi, tu te fais des pauses quand tu as besoin, et enfin, je sais pas, si tu fais du sport, bah essaye d'en faire, et voilà. Et le Oui, bonus voilà. Sport, Non, ça compte pas. non, en fait ça compte pas du tout. Non, 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 ça compte pas. Moi, je l'avais fait surtout au deuxième semestre pour ma licence, parce que j'avais le temps, et au moins, bah, ça me rajoutait des points. Si j'avais 9,5 au deuxième semestre de ma licence, bah, ça me faisait 10, et voilà. Mais pour la LAS, ça compte pas du tout. Oui, Genre, voilà, pour la LAS, ça compte pas. Ne le faites mais pas quand en même... pensant que ça va vous rajouter des points, parce que pas du tout. C'est pour vous, quoi. Après, c'est surtout pour s'aérer l'esprit que j'avais.